Ta vie, mon frère, ma soeur, un grand jour peut se lever et se manifester. Dans la vie d'un homme appelé Simon, le grand jour s'est levé. Dans la vie de Jésus-Christ, pendant 30 ans sur la terre, il était dans la frustration. Mais le grand jour s'est levé. Il y a un grand jour pour toi. Ce grand jour-là, c'est quand tu vas entrer et te laisser contrôler par le Saint-Esprit. Tu n'as plus besoin des gens qui vont venir prier avec toi. Écoutez, frère, tu n'as pas besoin que des hommes ils viennent t'imposer les mains régulièrement. Tu n'as pas besoin. Dans le Nouveau Testament, je vous défie doucement. Je vous défie de trouver quelqu'un, un chrétien, pour qui on priait. Trouvez-moi un seul exemple dans le Nouveau Testament. Trouvez-moi un seul exemple. Si ce qu'on fait aujourd'hui c'était réel, Jésus l'aurait fait. Paul l'aurait fait. Pierre l'aurait fait. Il disait, le Saint-Esprit est en vous. Soyez conscients. Écoutez-moi. Cet homme l'est arrêté. Le grand Saint-Esprit qui a créé la terre. Le grand Saint-Esprit qui est rentré dans l'enfer. Quand l'âme de Jésus était là-bas. Est-ce que vous croyez que c'est Jésus qui est sorti par lui-même? Hein? Les ténèbres là. Le grand Saint-Esprit, dès qu'il est rentré dans l'enfer, pour la première fois, l'enfer a été éclairé de lumière. Il a enlevé l'âme de Jésus de l'enfer et l'a amené. Regardez Jésus, mon frère. Regardez-le partout. Regardez Pierre, Paul. Regardez-le. Le méchant Saul de Tarse. Le méchant Saul de Tarse. Supposons qu'il avait même l'esprit de haine. Supposons qu'il avait l'esprit de, je ne sais pas, de meurtre. Supposons tout cela. Mais le jour où le Saint-Esprit est rentré en Paul, est-ce que les démons ont pu rester? Comment voulez-vous croire? Il faut que nous arrêtons le mensonge. Comment voulons-nous croire que le grand Saint-Esprit va s'asseoir en vous et des petits démons s'asseyent et causent et parlent avec le Saint-Esprit? D'où vient votre doctrine? Si c'était biblique, Jésus l'aurait montré. La délivrance que nous pratiquons aujourd'hui, nous le faisons tous. C'est venu quand j'étais converti, on ne connaissait pas ça. Quand j'étais converti en 73, la puissance du Saint-Esprit libérait les gens. On amenait des gens qui étaient fous, qui étaient libérés. Ils ne disaient pas, il y a ceci ou cela. Ils ne parlaient pas de leurs ancêtres. Ils ne parlaient pas qu'il y avait des liens ancestraux. Mais tous les nouveaux livres sur la délivrance là ont été créés il n'y a même pas 20 ans. Parce que nous avons délaissé le Saint-Esprit. Quand le dos de quelqu'un gratte un peu, il dit à un démon de gratter.
Quand quelqu'un a une petite allergie, il y a des mots d'allergie. Comment voulons-nous avancer? Cela veut dire, je te pose la question. Si ce matin, tu as fait une histoire avec ta femme, et que tu as blessé ta femme, il faut mettre par son sang, ou bien que ta femme t'a blessé, ou alors pas mettre pour son sang. Tu peux, la Bible dit, oui, n'aime sur les tamis. Il dit que le soleil ne se couche pas sur ta. Oui, tu auras la gagne. Écoutez-moi très bien. Faut s'il éclaire. Tu laisses le soleil se coucher. Tu vas dire, oui, tu auras lui. Ça fait un jour. Tu as d'arrêt. Deux jours. L'armée. Trois jours. L'armée. Quatre jours. L'armée. Tu n'as pas pardonné. Faut pas qu'on se voulait. La colère qui est en toi, la devient quoi maintenant? Ce qui ne peut pas voler pour la boîte. Ça se change en quoi? À toi, les bras boîtes. Hein? Allez, l'amertume. Allez, voilà, c'est tout. C'est ça, oui ou non? Y a des pipes. Quand tu poses une boisson, ça devient quoi? Fermenté. La boisson est fermentée parce qu'elle a été gardée dans la chaleur. Donc ton cœur est fermenté. Est-ce qu'il y a un démon en toi? Alors, s'il y avait un démon, Jésus aurait dit dans Matthieu 5, il dit, quand il dit, pardonnez à ceux qui vous ont maltraité. Il aurait dû dire, faites-vous délivrer d'abord de l'esprit de haine et de rancune. Et maintenant, vous pardonnerez. Voici des gens, les premiers chrétiens là, on ouvrait leur ventre à Rome. À Rome là, les femmes enceintes là, on les jetait là-bas. On tuait leurs enfants. Est-ce qu'il y a un seul démon d'amertume et rancune en eux? Et le même Seigneur dit, va pardonner. Il n'a pas dit, va te faire délivrer avant de pardonner. Parce que quand Jésus dit va pardonner, il t'a donné la puissance de pardonner. Mais maintenant, si nous mettons la responsabilité de tout ça sur un démon, est-ce que je vais pardonner? J'attends quoi? J'attends quoi? Qu'on vienne me croire. En ce moment, qui est responsable de mon problème? C'est moi? C'est qui? Yakana. Le démon. Yazina. Faut arrêter. Yalsia. De nous tromper. Qu'il peut leur être mincé. Faut arrêter de nous tromper. Même si ton ministère réussit, va vous tourner dans ça là, il n'y a pas de ministère de délivrance. Il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y a pas de ministère de guérison. Il n'y en a pas dans la Bible. Il y a un ministère qui est témoin de Christ. Christ et tout témoin de Christ, la Christ peut guérir, peut délivrer, peut sauver, peut libérer, peut prospérer. Tout autour. Voilà, voilà la Bible, ce que la Bible dit. Et écoutez, frère, il faut qu'on retourne dans la vérité biblique. Il faut qu'on retourne dans la vérité biblique. Tout chrétien peut chasser les démons. Tout chrétien peut guérir les malades. Tout chrétien peut faire ce que Jésus a dit qu'il peut faire. Tenons-nous debout. Tous, on va chanter le grand jour. Le grand jour de la révélation est venu sur nous. Si tu es malade, tu t'assois. Tant que tu n'es pas malade, tiens, si tu es malade, t'assois. Écoute la parole de Dieu. Cette semaine-là, nous allons prendre la parole. Nous n'allons pas prendre l'expérience des hommes de Dieu. Nous n'allons pas prendre quelqu'un qui est parti au paradis, il avait un démon. Ça m'intéresse pas. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visité. Oh oui. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons le Christ, ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit. Salut, et sur le monde entier, on le grand jour s'est levé,
neuf, si vous faites, si vous avez les feuilles, du boulot neuf. La lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, tout jeune de l'unité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le grand consolateur remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté, nous met en liberté, il ouvre les prisons, il ouvre les prisons, tu as la guérison, alléluia, dans la guérison. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je dors. Salut, et si le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je dors un plein salut. Et sur le monde entier, quand je sais le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit. Chante leur liberté. Chante leur liberté. Christ a tout accompli. Christ a tout accompli. Il a tout accompli. Il a donné l'esprit. Oh oui. Voyez trembler l'enfer. Oh oui. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je dors salut, et sur le monde entier, le grand.
Saint-Esprit, je ne t'ai pas souvent élevé parce que j'ai considéré que tu étais un troisième personnage mystérieux. Alors que sur la terre aujourd'hui, le Père n'est pas là, Jésus n'est pas là, Jésus n'est pas là. Et c'est toi seul qui es là. Et pourtant, je me référais au ciel, alors que mon salut, ma délivrance, ma guérison, se trouvait à côté de moi et en moi. Je suis allé vers des hommes de Dieu que j'ai considérés plus que toi. J'ai cru que les hommes de Dieu étaient plus puissants que toi. Je voulais leur imposition de mains. Je voulais qu'ils manifestent leur onction. Alors que c'est toi qui es l'onction toi-même. J'ai laissé la source de l'onction. J'ai laissé la source de la délivrance. Je suis allé à des citernes crevassées que sont les hommes. Et je me répands de cela aujourd'hui. Parce que je ne t'ai pas honoré. Comme cela se doit faire. Mais aujourd'hui, je me tourne vers toi. Car Jésus le Sauveur, le Seigneur, m'a dit qu'il y a un autre Seigneur qui va venir. Lui n'est pas Seigneur du salut. Et c'est toi ce Seigneur-là. Mais tu es un Seigneur particulier. Un Seigneur qui me transforme, qui fait abonder la vie divine à moi, qui me donne de faire l'œuvre du ministère, d'être un témoin puissant de Christ. Ce soir, je reconnais que j'ai failli en cela et je me remets dans l'ordre divin. Comme Jésus l'a dit lui-même, qu'il était avantageux pour moi que lui s'en aille et que toi tu viennes. Mais moi je n'ai pas vu en ta venue un avantage. Oui, j'ai parlé en langue. J'ai quelques dons. Mais ta propre personne, je l'ai méprisé. Je l'ai bafoué. En me réveillant le matin, je ne pensais même pas à toi. Je pensais aux hommes de Dieu que je pourrais voir. Je pensais quel est le grand homme de Dieu qui va me parler. Alors que le grand enseignant est assis en moi, à côté de moi dans ma maison. Quand j'ouvre la Bible, je m'entoure de concordances et de livres. Mais je ne te consulte pas toi le grand enseignant.
Quand j'ai des problèmes, je téléphone à des pasteurs. Alors que toi, le résolveur de problèmes, tu es en moi et avec moi. Je veux me redéployer dans mes pensées. Je veux renouveler mon intelligence. Je veux désormais savoir, accepter le fait que tu es en moi et avec moi. Et je remercie ce soir parce que tu es la source de tout en moi. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Oui. Quand on a été habitué à certains enseignements, c'est difficile. Parce que nos enseignements voient la parole de Dieu. Il y a les pensées de Christ et il y a la pensée de l'Esprit. Si vous lisez dans le livre de Corinthiens et dans Romains 15, on dit, on parle là-bas de l'amour de l'Esprit, on parle là-bas de la pensée de l'Esprit. On parle des pensées de Christ. Les pensées de Christ. Alors, je pose la question ce soir. Nous avons dit que cette année, le séminaire de Pentecôte, nous voulons parler de la personne même du Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit et manifester sa puissance. Et pour cela, c'est la parole de Dieu sur laquelle nous nous appuyons pour partager cela, frère. Je ne suis plus grand qu'aucun pasteur, ça ne m'intéresse pas. Je ne me place même pas. Même si je suis le milliardième des pasteurs, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas là le problème. Je veux être simplement un simple disciple de Christ qui regarde sa parole, qui croit ça. C'est pourquoi je ne me présente pas comme un grand pasteur ou un petit pasteur. Je veux être simplement un homme de Dieu ce soir pour vous parler. Je ne sais pas si je suis pasteur Kenga. Je ne sais pas si je suis pasteur Kenga. Alors, c'est pourquoi ce que tu as accumulé pendant des années là, si tu n'ouvres pas ton cœur pour examiner attentivement ce qu'on va te donner, ce que tu as déjà dans ta tête va bloquer tout ce qu'on va donner, tu vas t'asseoir, analyser chacune de mes phrases pour voir si tel homme de Dieu a dit ça, tel autre homme de Dieu a dit cela. C'est pourquoi ce soir-là, ne me regarde même pas. Laisse simplement le Saint-Esprit qui est ici en toi et avec toi. Sois honnête. Dis au Saint-Esprit, je veux moi aussi expérimenter ce que tu es. Dis-lui ça. Sois honnête. D'agissement, il y a un peu la yene sur le fa pour le pont gomme ba n'attend pas un yamba balignam beka yambe ne mam willy mam yam yasoba. Enseigne. Jésus a dit, quand tu viendras, tu vas nous enseigner. A Dieu un tignam sans wawa la yam wa me yam nan zamatondo. Moi, je n'ai jamais été enseigné par le Saint-Esprit. Dis-lui ça. Honnêtement, être enseigné par le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est ça important d'abord. Tu ne connais pas quelqu'un. Tu ne l'honores pas. Comment il peut t'enseigner? Est-ce que tu pars t'asseoir avec n'importe quel enseignant dans ce monde-là? Non. C'est lorsque tu connais la personne, tu sais que la personne a des choses que toi tu ne connais pas et que tu veux connaître ces choses-là. Personne ne te demande même quoi que ce soit. Toi-même, tu cours pour chercher cet homme qui a des révélations que tu n'as pas. Ton Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur du salut, je dis qu'il y a un autre Seigneur qui vient, on l'a vu hier. Le Saint-Esprit aussi est Seigneur. Jésus est consolateur. Le Saint-Esprit est consolateur. Jésus est conseiller. Le Saint-Esprit est conseiller. Jésus te dit, tout ce que lui a fait physiquement avec ses disciples, l'autre Seigneur va venir. Au contraire, ce que lui va enseigner encore,
supérieur ou bien mieux que ce que lui l'a enseigné. Parce que lui ne t'a rien dit. Enfin, lui n'est pas venu pour t'enseigner. C'est pourquoi dans les quatre évangiles, Jésus ne nous enseigne pas. Il est venu montrer qui il est. Mais il dit l'enseignant là. Lui il va venir. C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit. Il dit il va venir. Alors, pour comprendre ça, on va prendre la vie de Simon Pierre. Il n'a dit qu'à Simon Pierre, vous imaginez. On va voir le redéploiement de Simon en Pierre. À Simon, c'est le vrai, il y a de parler, le vrai Pierre. Quand vous lisez les choses dans la Bible, les noms là, il y a redéploiement de Jésus en Christ. À Jésus, le vrai, la palme, le vrai Christ. Il y a redéploiement de Saul de Tars en Paul. À Saul de Tars, le vrai, la palme, le vrai Paul. Il y a redéploiement de Simon en Pierre. À Simon, le vrai, la palme, le vrai Pierre. C'est deux identités. Il y a l'un qui est Iban. Toi, tu es redéployé. Quelle était ton ancienne identité? Quelle est ta nouvelle identité? Et Simon connaissait Jésus. Faut y aller parler, qu'on y a bon, faut y aller parler à bon. À Simon là, mais à Jésus. On va voir le redéploiement de Simon avec Jésus d'abord. Et là, Simon sans le vrai, il y a donné Jésus. Et ensuite, on va voir le redéploiement maintenant de Pierre avec le Saint-Esprit. Moi, ça n'a le vrai, il y a donné parler à Pierre Nessie Songo. Et tu vas comprendre, mon frère. Là où m'a volé Babiga. C'est quand il y a des noms, quand Dieu change les noms là, c'est important. Dans l'Ancien Testament, on voit ça. Le redéploiement de Jacob en Israël. Il y a Jacob. Jacob, le fils d'Isaac. Isaac Bigan. Regardez sa vie. Il y a Israël. Israël bébé. L'homme de Dieu. Regardez la différence entre Jacob et Israël. Jacob et Israël. Dans tous ces redéploiements là, on ne parle d'aucun démon. On ne parle de rien. On parle de la rencontre que les gens ont eu. Ce que les ont eu avec Dieu lui-même. Le redéploiement de Moïse. C'est passé. Quand il a rencontré le Saint-Esprit dans le buisson ardent. Écoutez-moi. Quel et Moïse a été rejeté. Il a connu 40 ans de culpabilité. 40 ans de complexe d'infériorité. 40 ans de solitude. 40 ans où il était maltraité, il était misérable. Une seule rencontre de Moïse avec Dieu dans le buisson ardent. Personne, c'est pas Jéthro qui a prié pour Moïse. Pas Jéthro pour Moïse. Personne n'a parlé à Moïse. Quand le glorieux Saint-Esprit a rencontré Moïse, supposons que Moïse avait tous les démons, et aucun démon n'a pu rester encore à Moïse, et Moïse a quitté. Même si Moïse avait eu tous les démons de l'Égypte, parce qu'il s'est formé dans la maison des Égyptiens. Donc ça veut dire qu'il connaissait la magie des Égyptiens. Écoutez-moi, il connaissait les tactiques des Égyptiens. Moïse même, on peut dire qu'il avait la malédiction. Prenons tout ça, vous aimez prêcher ça, prenons tout ça. Il dit qu'il y a un la malédiction ancestrale. Il avait les liens générationnels. Il avait tous les péchés. Il avait tous les démons. Mais devant le buisson ardent, c'est toi qui l'as délivré. Il s'est arrêté devant le buisson ardent. Tu l'as délivré. Il avait besoin de Jéthro. Vous jouez avec le Saint-Esprit. Vous prenez les hommes de Dieu, vous les placez au-dessus du Saint-Esprit. Et il est triste. Vous ne savez pas l'honorer. Tu as délivré Moïse. Faut Moïse. Regarde l'assurance de cet homme de 80 ans. Son grand frère avait 83 ans.
Regarde, il connaît la puissance de Pharaon. Il connaît les magiciens de Pharaon. Il connaît la puissance de frappe de tous les démons d'Égypte. Regarde-le rentrer chez Pharaon comme s'il rentrait dans n'importe quelle maison. Regarde-le, il parle à l'homme le plus puissant de la terre. Les soldats, écoutez-moi frère, les soldats de Pharaon pouvaient tout de suite lancer une lance et puis Moïse était mort. Mais quand Moïse rentrait là-bas, il savait que toute la puissance de Dieu était avec lui. Tu n'es pas conscient de ça. Faut pas tu es conscient des hommes de Dieu. Mais quand tu n'es plus là les hommes de Dieu, comment tu fais? Les démons reviennent encore. Si tu es conscient seulement que les hommes de Dieu, supposons que tu es conscient. Cet homme de Dieu là, quand tu vas chez lui là, à cause de lui, écoutez-moi, à cause de lui, par lui il est conscient que le Saint-Esprit est en lui. Il est conscient qu'aucun démon ne peut rester à côté de lui. À cause de ça, quand tu vas chez lui, tu es en paix. Et pourquoi quand tu vas chez toi, tu perds la paix? Faut pas l'être sur la vie. Pourquoi? Quand tu quittes ta présence, tu perds la paix. Bien, faut sur la alors toi aussi, tu as le même Saint-Esprit. Faut tu deviens esclave des hommes. Tu deviens esclave des hommes. Chaque fois. Tu as oublié de courir. Tu n'as jamais la paix. Tant que lui ne prie pas pour toi. Et si c'est un bonhomme qui est malin, sachant que tu dépends de lui, il faut rien. Il va t'exploiter jusqu'à tes chaussettes. Il va t'exploiter. Si tu es pauvre, il va prier pour toi deux fois. Il va dire, il faut aller jeûner maintenant. Si tu es riche, il va prier pour toi autant de fois que ton portefeuille s'ouvre pour lui donner de l'argent. Il n'est pas bête. Il n'est pas yalemwa. Un homme qui est à pied. Toi deviens garé 4x4. Faut garé 4x4. Il est un démon. Il faut t'arrêter. Il prie pour toi. Tu pas dit que c'est bon. Faut tirer dans. Il va dire c'est pas fini. Allez pas ça. Il y a le démon de Mardoché maintenant dans ton dos. À Mardoché zine y a pour zugulabé. Il va te délivrer du démon de Mardoché. Tu lui donnes 30 000 francs. Pourquoi tu sais où? L'homme est habitué à ça. Il dit mon ami, hier j'ai prié. J'ai vu le démon. Le démon que j'ai vu là. C'est le démon des archers. Il y a Jacques Zina. Ah y a quoi il te dire? Zin tantré. Ah bon? Il est ça? Yanné. Il prie pour toi. Tu donnes 50 000. Faut qu'on te prie. Ça, Nyawa, c'est richesse. Il y a Arziaka. Faut pas jouer, c'est content dans la ville. Dari, mais où tu l'as maintenu pour un homme de Dieu qui a appelé, on n'a pas besoin de dépendre. Des gens riches. Non. Il dépend du Saint-Esprit. Attire si son go. Je n'ai jamais manipulé quelqu'un pour avoir l'argent. Jamais. Je ne te dirai pas que tu as dit démon. Jamais. Mon ami. Tu donnes la parole t'a franchi. Il ne faut pas me parler de ces ministères que vous avez qui ne fonctionnent pas. Et je vois les gens qui viennent pleurer chez moi. Qui viennent, ils sont allés dans tel endroit. Ils citent tous vos noms là. Ils citent tous vos noms. Citent tous vos noms. Oh, je suis allé chez lui. Lui m'a dit déjeuner. Je suis allé chez elle. Elle m'a dit déjeuner. Il m'a dit chez elle. Il m'a dit déjeuner. Tu viens faire quoi chez moi? Faut la marabou m'a mené. Papa Karamiri. Papa Karamiri. Quand on doit vendre sa maladie là, moi on ne vend pas ta maladie. Assois-toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Ouvre la Bible. Je vais saisir votre pensée d'abord avant de commencer ma. Un jour, un homme, une femme a couru pour aller voir un homme de Dieu. Pareil, pasteur, il faut prier pour mon mari. Il faut prier le salut pour mon mari. Il faut prier pour mon mari. L'homme de Dieu, je ne prie pas. On n'a pas l'imposer. Il dit, ah bon?
Tu ne pries pas? Il n'y a pas pour. Un chrétien ne prie pas pour. Moi, pour une pauvre chrétienne qui son mari n'est pas converti. Un amadne assiste à papa Fari. Non seulement il dit je ne prie pas, et ne pas pousser, c'est à cause de toi que ton mari n'est pas converti. Il y a foyinga, la prostituée n'a pas pas mal. La femme était offensée. Par un homme, ça part à la maison. Elle va à la maison. Par contre, il part là. Il dit à son mari, il y a le sida. Tel pasteur là, pasteur Kanga, il n'est pas du tout gentil. À pas pasteur Songo, il m'a parlé mal. Comme maman, comme yodo. Ouais les gens, hein. Il y a une bague. Il m'a parlé mal. Comme maman, comme yodo. Le mari dit qu'est-ce qu'il a dit? Ça tire bien le bout de main. Il dit mais. Il a dit, il a mis, que c'est à cause de moi, tu as même que tu n'es pas converti. La femme passe à cause de toi. Son mari dit alors, que toi tu dis? Parce que la foi est un petit point, moi. C'est à cause de toi, je ne suis pas converti. Il a fait une qui t'aime pas qu'un ouin d'or, on pas mine. Quand tu viens de l'église là, toi et tes amis, faut les orama. Vous jouez aux cartes, les cartes là. Y a un temps de cartes là. Quand vous jouez aux cartes là, un temps de cartes, tu sautes. Faut y aller mettre une. Carte. Tu es passionné pour les jeux de cartes. Faut cailler mes cartes pour un temps. Mais quand tu vas à l'église, faut un ouin d'or. On dirait qu'on te frappe. Il y a pas de y a aucune joie. Sinon, moi j'ai dit, mamie, si je m'en vais à l'église, maman, pour être un joueur de cartes comme non, toi, ton carte, faut. Je ne me convertirai pas. Maman, pas ton oui ou non? C'est le bésil. Quand vous recevez les gens, ne commencez pas à les délivrer. Faites-la asseoir. Quittez la Bible. Quittez la Bible. Là, vous voyez que si la personne est honnête, elle ne revient plus demain. Elle, ah, elle va revenir. Ça va, si elle n'est pas honnête, elle ne reviendra pas. Je dis qu'il n'y a pas de quelqu'un. Sur qui elle va mettre ses fautes. En et quand tu ne peux pas, elle va dire que tu es un mauvais homme de Dieu. Faut pas que tu es incapable. Que tu es incapable. Tu veux pas toi. Je pose la question. Sokra. Si vous ne croyez pas, quelqu'un qui vient à l'église, n'apporte jamais la dîme des offrandes. Il va aller prier, il va faire prier qu'il y ait un démon de vol sur sa vie. Toi, tu veux prier pour ce démon de vol là. Faut imposer. Est-ce qu'il y a un démon de vol dans sa vie? Qui est voleur? Quand la voir là. C'est le démon, c'est lui. La Bible a dit dans Malachie qui est quoi? Qu'est-ce que la Bible a dit dans Malachie? Malachie, c'est les démons qui volent. Il dit, vous me volez, c'est vous les voleurs. Il n'a pas ta dîme et ses offrandes dans son église, il était un voleur. Il n'a pas un esprit de voleur. C'est lui-même le voleur. Mais les hommes de Dieu qui sont capables de s'asseoir, dit qu'on va être délivré de ça. Ça, c'est haram. Demande-lui, est-ce qu'il donne les dîmes et les offrandes? Il n'a pas un esprit de. Il donne pas les dîmes et les offrandes à son église. Et il vient chez toi. Il prie, toi tu pries pour lui. Il faut pousser 5000 francs. T'as quoi tout? Demande-lui, est-ce qu'il a déjà donné 5000 francs dans son église? Soit quand il faisait un contour pour venir. Il te dit. Ah, il faut. Non, non. Moi, je l'église là. Je donne 5000 francs. T'as quoi tout? Non, les gens les exagèrent. Donne combien? 500 francs. Quoi, bah? Donne-lui son argent. Lève ça, l'église. Ne prends pas l'argent maudit là. L'argent maudit, hein. Il y a Kabouin l'église. Il ne donne pas dans son église. Ah, pas quand t'as un promet, il donne ailleurs. Il voilà les vérités que les gens ne veulent pas savoir. À pour ne pas la tomber la banque. Vous voulez qu'on vous flatte avec ça? Acclamez au moins la parole de Dieu. Oui, oui, nous parlons à moins d'un gomme d'abalo. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, hein. Mon ami, est-ce que en donnant du sirop à un enfant qui a pas lu, il sera guéri? Hein? On donne quoi? La quinine, n'y va quinine. Oui ou non? C'est le bésir. Parce qu'on l'aime. Voilà, non, elle a. C'est la vérité. Adécida. Ne perdez pas votre argent, votre temps avec des gens inutiles. Le mari dit à sa femme. Si elle a pas. Tant que tu prendras plaisir au jeu de cartes qu'à l'église, moi je ne serai pas un nouveau joueur de cartes avec toi. Quand tu as tort, ça n'a pas lieu de faux jours à nommer Wendy. Au moins, sans jouer aux cartes, j'ai la joie. Maman, il va pas tort carte, tu ne joues pas à l'église. L'église ne te passionne pas. L'église ne te donne pas la joie. Le seul moment où je vois, tu sautes, maman, tu cries, tu lis. Quand tu joues aux cartes, y a un temps et tu veux que moi je devienne chrétien, pour faire quoi? Pour faire quoi? Non, les critères de l'Iboy. La femme était abattue. Tu parles à Bourri, à ce moment. Donc elle a vu que le pasteur avait dit vrai. C'est elle-même qui est le blocage de la conversion de son mari. C'est pas un démon. Pas une loi. Il y a plein de chrétiens misérables, malheureux. Et je ne comprends pas. Comment on dit que la vie abondante? Quelle vie abondante tu as? Oui, la frère. Il n'y a pas de démons. Vous n'avez pas de Simon.
à Simon. Simon. À Simon. 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 Un homme religieux. Netsia Dintunda. Un descendant d'Abraham. Pouria Abraham Menga Yaranga. Un disciple de Moïse. A Moïse Karambiga. Un suiveur de Jean-Baptiste. Nedunda Porada Jean-Baptiste. Il a tout. A ta fin. Pour être heureux. Ta sonne yon menga. Il n'est pas heureux. La sonne pas nom. Il a tout. A ta fin. Il n'est pas un païen. A pas net ayazu bouneda. Il est juif. Ayazu bouneda. Aucun juif n'est païen. Juiva yemre. Ils ont la meilleure religion. Abtara din son. Ils ont la révélation de Dieu. Abtara wena men avena. Ils ont la loi de Moïse. Tara muiton reneba. Mais regardez-les. La gasiba. Quand Jésus est arrivé. Il dit wantawa. Tous étaient dans la misère. Abfara be nimba dans la farakuba. Les sacrificateurs. Mankurba. Les lévites. Lévites damba. Les pharisiens. Pharisiens damba. Les sadducéens. Sadducéens damba. Les scribes. Bulohotba. Tous étaient malheureux. Abfara nimba damba. C'est un peuple qui était, qui devait être un peuple de joie. Ade solom nevs da tiara nordo. Un peuple qui devait être un peuple heureux. Solom c'est la même chose pour les chrétiens aujourd'hui. Malheureusement, c'est la même chose. La zubuko ya bon yang même chose. Mon ami. Nous avons. Les Abraham regardent leurs descendants et disent, mais Abraham dans le mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a pas la mandat. Moïse reste là où il est. A Moïse par mais quand même regardez. Il y a plus de vie en eux. Vous n'avez pas le bébé pour moi. Ils avaient des longues règles. Abraham t'a la tronche wordo. Des doctrines longues. Car on wordo. On ne sait pas d'où ça vient. Parmi les yiti. Le peuple ne comprenait rien. Neba la cour ne vous entendra pas. Ce qu'ils enseignaient aux gens. Dans un neba. Le peuple rentrait. Neba qu'un d'amen. Sortait. Un yi. Rien ne changeait. Bah vous y a pas tué. Et c'est le peuple de Dieu. Les royaux ont nam seulement neba. Eh frère, c'est le peuple de Dieu. Les royaux ont nam seulement neba. C'est le peuple de Dieu. Les royaux ont nam seulement neba. Ce sont pas des pères. C'est le peuple de Dieu. Mais ils n'ont ni joie, ni paix, ni rien. Les Daniel et ses amis, à Daniel et Zoramba, là où ils sont, comme témoins, ils regardent ce peuple-là. Et Daniel dit à ses trois amis, et il dit, mais nous, et ton noir, à notre temps-là, ton noir, quatre noir, nous sommes allés dans le feu. Ton kien bougoum pour la force au lion. Ton kien guerre bouquin. Parce qu'il y avait une telle joie de la connaissance de Dieu. Balessino, Kazrin la Belton pour te d'Atem Bangwen. Nous connaissons le Père là. Ton dami ba. À cause de cette connaissance. Minim kanying. Cette communion avec le Père. L'armenta n'embawa. On n'avait pas peur du feu. Ton de poser bougoum. On n'avait pas peur de la force au lion. Ton de poser boyen sambe bouka pour. Regardez eux aujourd'hui. Gazebamdouna. Ils n'ont pas le feu. O patar bougoum. Ils n'ont pas la force au lion. Patar guerre ma bougoum. Mon ami, va écouter la parole de Dieu. Nous avons été qui la bas fauteuil en robe. Ils n'ont pas le feu. Patar bougoum. Ils n'ont pas la force au lion. Patar guerre ma bougoum. Les petits problèmes d'argent là. Liguida yel bon là. Vous êtes déjà découragé. Tiens, sous le sein. Petit problème de nourriture là. Liba yel. Vous êtes découragé. Tiens, petit problème, vous n'avez pas de mari là. Patar sida. Vous perdez votre joie. Tiens, sinon, mesdames. Donc, ces gens là. Nenika. Si on vient avec le feu là aujourd'hui. Ça aucun d'entre eux ne va rentrer dans le feu. Abner ba yel pendant sa kéké. Vous me faites winning, ouais. Ba yel. Aucun ne va affronter les lions. Ba yel conserve bon yel. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils remplissent les synagogues. Ils remplissent les bâtiments. Mais ils n'ont aucune connaissance de Dieu. L'église d'aujourd'hui ressemble à ça. Les temples sont remplis. On construit de nouveaux temples. Mais un peuple languissant. Abattu. Comme des brebis sans berger. Remplissent les temples. Pas de joie ni de rien. On leur enseigne comme les pharisiens. On leur enseigne des choses, ils sortent. Ils sortent de l'église, ils vont faire bagarre. Ils sortent de l'église, ils s'en vont insulter, frapper leurs femmes. Ils sortent de l'église, ils vont aller insulter leurs maris. Alors les gens remis la tête. Mais quels sont ces chrétiens là? Qu'est-ce qui ne va pas? Simon. Jean-Baptiste a apparu.
Jean-Baptiste pour comme là. Ils ont tous couru pour aller chez Jean-Baptiste. Ça va jouer qu'un Jean-Baptiste n'engue. Peut-être lui il a une solution pour nous. Tiens t'as rien malgré n'importe quoi. Il a une solution pour nous. Tiens t'as attendu la manne. Jean-Baptiste dit répentez-vous. Jean-Baptiste toi mais t'as raison. Tout le monde courait se faire baptiser. Il m'a pas donné qu'un Jean-Baptiste. La réponse est venue. Jean-Baptiste le grand jour est venu. Jean-Baptiste les a baptisés. Jean-Baptiste les a fait repentir. Ils sont sortis de l'eau. Aucun n'est changé. N'importe pas aimé. Il dit mais qui va nous délivrer? Le canaille a eu le tondo. Qui va nous délivrer? Quand on a eu le tondo. Pas des démons. Il n'y avait aucun démon. La délivrance n'est pas démon. C'est de la puissance des ténèbres d'abord. Il y a tout le système des ténèbres. Ne mettez pas la délivrance sur les démons seulement. Il y a plein de chrétiens ici qui n'ont pas de démons. Ils ont besoin de délivrance. La blanche a eu le tondo. Jean-Baptiste dit, mes amis, Jean-Baptiste, moi je ne peux pas vous aider à vous redéployer. Il y a un qui va venir là. Il y a un qui va venir là. Il va apparaître un jour. Il va apparaître. Quand lui va venir, les choses vont changer. Les choses vont changer. André était un disciple, le frère de Pierre était un disciple de Jean-Baptiste. A Pierre qui va André là, Jean-Baptiste Kalambiga. Mais Pierre les regardait. Ah, Pierre était tellement découragé, il partait nulle part. Pierre sur le centre là, c'est André qui est parti dire à Simon. André, tu vois Simon là. Il y a quelqu'un qui est apparu sur la scène là. Mais regardez frère. La guerre c'est un baby ici. Regardez comment. Guerre c'est un toto. Pour que tu te sois redéployé entièrement. Tu faut libre regarder par le Seigneur. Premièrement, tu dois rencontrer Jésus. Deuxièmement, tu dois rencontrer le Saint Esprit. Il faut faire ces six sont. Les deux. Si tu ne les rencontres pas, ton redéploiement ne sera pas total. Tu dois d'abord rencontrer Jésus. Ensuite, tu dois rencontrer le Saint-Esprit. Les deux donnent un redéploiement parfait, complet. Alors, voyons comment et donc le premier redéploiement de la vie de Pierre va se faire. Simon. Pour cela, on le trouve dans Luc chapitre 5. Dans Luc chapitre 9. Que le Saint-Esprit nous aide ce soir. Frères et sœurs, nous ne sommes pas à la Pentecôte de l'onction, à la Pentecôte des dons spirituels, nous sommes à la Pentecôte de connaître le Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit. C'est une Pentecôte spéciale. Écoute-moi. Donc dans Luc 5, on va voir d'abord le premier redéploiement, le déploiement dans la vie de Simon. Et Naya Simon là, un yadra vouima pour Nananda. Et qu'est-ce que Jésus voulait faire de Simon? La boîte de l'autre manne Simon. On va lire d'abord le verset 10 et 11. On va lire à la fin avant de venir et aller au commencement. Là, quand le verset pigue la pile aïe, n'a qu'à l'ambassade, on va s'y Le verset 10 et 11. Verset pigue la pile aïe. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Est-ce qu'il avait le nom Pierre? Non. Est-ce que le nom Pierre a été révélé? Non. Non. Son nom était Simon. Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Verset 11. Ayant ramené les barques à terre, il laissait tout. Et le suivi. La pourrage Jésus. Ah. On commence par la fin et on va remonter maintenant. Donc, la fin de la rencontre de Simon et de Jésus. À Jésus n'est Simon, c'est qu'à Basro. Le but final de cette rencontre-là. C'est qu'à Abdalatam Pambouninga. Jésus dit à Simon. Jésus est là, Simon. Tu n'es pas né pour être un pêcheur de poissons. Faut pas le renaître Zimier là. Il y a en toi autre chose que pêcheur de poissons. Bumba tombe faut pour un yirizimiebo. Ta destinée n'est pas pêcheur de poissons. Oui, non, sans problème, ne faut pas zimieba là. Et chacun d'entre vous ici, votre destinée n'est pas votre travail naturel, professionnel que vous faites là. Votre destinée n'est pas ça, frère. La yam nirkan franca, yam poule ne pas tout yam se manda koi. Jésus ne renie pas votre travail, votre profession, mais il te dit, ta destinée n'est pas dans ça, et la destinée de ta famille n'est pas dans ça.
Regardez, mais Jésus est très sage et intelligent. Il vient vous attraper dans le domaine où vous pensez que vous êtes un expert. Il vient vous attraper là, le domaine où vous pensez que vous maintenant, il n'y a personne qui soit comme vous. Vous vous vantez de ce que vous réussissez. C'est là-bas que Jésus va enseigner à Simon une leçon extraordinaire qu'il va nous enseigner ce soir. Et après ce moment-là, Simon, Jean, Jacques et tous ceux qui étaient là, ils ont laissé leur filet pour suivre qui? Ils viennent d'expérimenter le premier élément du redéploiement. Retournons maintenant pour voir comment ils sont arrivés à ce stade final. Comment ils sont arrivés? Quel est le processus qui s'est passé? Donc Simon, André, Jean-Jacques et leurs parents sont des pêcheurs de poissons. Ils sont spécialistes, experts de la pêche depuis des générations. Ils sont dans ce travail-là parce que ça leur réussissait, c'était leur gagne-pain. C'était leur source d'approvisionnement. C'était leur source de revenus. Mais il y a un moment donné, quand Dieu va intervenir pour te redéployer, Dieu permet que certaines choses arrivent dans ta vie et toi tu cours pour chasser les démons, alors que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Les gens croient, ah, peut-être Dieu m'appelle à un ministère. C'est pas un ministère. C'est une rencontre. Jésus était déjà en Galilée. Jésus était là. Et est-ce que Simon le connaissait? Est-ce qu'il le connaissait? Jésus était déjà là. Oui ou non? C'est le Missouri. Jésus sait comment attraper les gens. Jésus a transformé la Samaritaine où? Jésus tue ma Samarie par ailleurs. Dans le domaine de la soif. Koyunda pourra. Ça c'est le rôle du Saint-Esprit. Kada si sanctumne. Il n'a pas attrapé la Samaritaine chez elle. Apayong Samarie par Zakonwa. Il a attrapé la Samaritaine au puits de Jacob, au puits de Jacob. Apama Samarie par Jacob Bulgunwa. Et il va transformer la Samaritaine là au puits de Jacob. La maintenant tue ma Samarie par Jacob Bulgunwa. La femme avait eu 5 maris. Parle par ma sire banou. Jésus n'a jamais chassé un démon d'elle. Jésus dit c'est pas pour moi. Est-ce que Jésus a chassé les démons de l'impureté? Jésus dit ça l'air de cette dame là. Écoutez ce que la Bible vous dit. Quelle réunion c'est vraiment la rencontre avec Jésus. C'est que Jésus. Aucun démon ne peut rester. Jésus ne peut pas rencontrer Jésus. Faut rentrer à Jésus quoi. N'allez pas diminuer Jésus plus que les hommes de Dieu. Là il y a un boire rien Jésus si vous n'allez pas diminuer le Saint Esprit plus que les hommes de Dieu. Là boire on n'entend tout si ce n'est que pas tant on n'entend tout n'bawa. Vous entendez? Pierre, Jean, et Jacques et les autres ont péché toute la nuit dans leur domaine. Échec complet. Échec. Il se peut que tu sois dans ce domaine-là ce soir. Quel est ton domaine? Les difficultés que tu as là, tu ne t'assois pas au pied du Seigneur pour lui demander pourquoi ça ne réussit pas. Tu es en train de courir pour qu'on prie pour toi. Jusqu'à présent, tout réussissait dans ta vie. Pierre et les autres faisaient des grosses pêches. Ils avaient des gros poissons. Mais ces jours-là, ils ont tout essayé. Pas de résultat. Ils ont toutes les techniques de pêche. Où en es-tu aujourd'hui? Tu es venu à ce séminaire-là. Mon ami, toi qui es au dehors. Il se peut qu'actuellement tu es dans la
défaite totale. Parce que les choses qui semblaient te réussir, rien ne réussit plus. Toi, tu dis qu'on n'a qu'à prier. Tu n'as pas besoin de prière. Faut pas avoir pause, ouais. Arrête-toi d'abord. Et laisse pour voir qui peut venir à ton secours. Il avait leur filet. Le matin, il avait leur filet. Il pensait à leurs femmes et à leurs enfants. Il n'y a pas d'argent pour nourrir la famille. Il avait leur filet. Ils sont découragés. Ils sont frustrés. Tu es frustré dans ta vie aujourd'hui. Il y a un domaine dans ta vie où tu es frustré. Où tu es frustré. Tu as la pirogue. Tu as le filet. Tu as la connaissance, la pêche. Tu es un expert en pêche. Mais il n'y a pas de résultat. Je te pose la question ce soir. Regarde le cultivateur. Regarde le cultivateur. Voici un cultivateur qui a préparé son champ. Voici un cultivateur qui a tout, il a tout débroussaillé. Il a enfumé son champ. Et il a ensemencé. Mais le ciel reste fermé. Ces efforts-là ont servi à quelque chose? La plupart de vos efforts ne servent à rien. Au lieu de vous arrêter, tant que le ciel ne s'ouvre pas pour venir que la pluie vienne, ce cultivateur-là, qu'est-ce qu'il va récolter? En allant prier, il va récolter. En allant jeûner, il va récolter. Arrêtez-moi les jeûnes et les prières inutiles. Vous pouvez corrompre Dieu. Le cultivateur là, il n'a qu'à gêner, rester autour de son champ, amener tous les hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'il va récolter? Il faut que le ciel, s'ouvre. Si le ciel est fermé sur ta tête, ton problème c'est que ton ciel est fermé sur ta tête. Tu ne sais pas ça. Il y a plusieurs sortes de pluies. Ça boue. Il y a la pluie naturelle. Ça ça le bébé. Tout le monde attend ça. Ne va pas le Burkinabé attend la pluie. Burkinabé gouda ça luna luna. Vous entendez? Il ouvre le gouvernement ne peut rien. Go la bataille va fouiller. Personne ne peut rien. Ne va pas bataille va fouiller. Tant que le ciel n'est pas ouvert. Ça ça va pas. Le ministre de l'agriculture ne peut rien. Ministre de l'agriculture bataille va fouiller. Quand fait des déclarations. Bab gongo. Le ciel n'est pas ouvert. Ça va pas pas. Il n'y aura pas de récolte. Qui va pas dans qui? Tout le monde est lié par ça. Ne va pas lui un. Et dans ce domaine-là, vous ne réfléchissez pas. Dans ta vie, le ciel est fermé. Faut vous pour ça. Rien ne marche. Ton foyer ne marche pas. Faut calme pas. Ta vie spirituelle ne marche pas. Ta santé ne marche faut pas. Faut la vie pas qu'elle. Rien ne marche. Bah vous pas. Ça veut dire que le ciel est fermé. Mais de ça par faut quoi? Pas une affaire de démons. Pas une dame yéloi. Le ciel est fermé. Ça rend par faut. Pourtant tu es un expert. Faut y amener toi. Tu enseignes des gens. Faut avoir donné quoi? Mais ton ciel est fermé. C'est pourquoi Jésus est d'abord descendu du ciel. Jésus est venu. Il n'est pas venu de la terre. Et voici que au moment où Pierre était découragé à ses amis, Simon, Jésus marche pour venir vers eux. Jésus qu'en a même aussi. Jésus va marcher venir vers toi. Jésus n'a qu'un wafonenge. Lorsque tu es complètement à terre. Faut sans wabi tenzang fasi. Tu ne peux plus rien. Faut en parler tellement bah fifi. Mais si tu crois que tu peux encore gêner et prier. Faut entendre que tu es le pousse. Il va te laisser gêner. On a bah votre le pousse. Si tu penses que tu peux te débrouiller. Faut entendre votre symbole. On n'a jamais sauvé quelqu'un qui se noie quand il se débat. Abzi fanet commande ta toi en train de. On ne peut pas sauver quelqu'un qui se noie quand il se débat. Au moment où il se débat dans l'eau là, si tu plonges, faut faire quoi?
en surfo, va t'attraper, te bloquer, surfo, ouais. Et les deux vous allez mourir. On le laisse quand il a bu complètement, il ne peut plus rien faire, on va le tirer de l'eau. Beaucoup de gens se débattent, on va gêner et prier, on va faire combat spirituel. Je dis laissez-le, il n'est pas encore prêt, laissez-le tourner, laissez-le aller, c'est tous les hommes de Dieu. Quand il va s'épuiser, on va le tirer tout juste. Quelqu'un qui s'énoie là pour le tirer de l'eau là. Est-ce qu'on a besoin d'une grande personne? Un bébé peut le tirer. Oui ou non? Quelqu'un qui est dans l'eau là. L'eau porte la personne. Oui ou non? Pour le tirer là. Même un enfant peut le tirer. Oui ou non? C'est ça simplement. Pour vous montrer que nous dépendons de Dieu. C'est ton tir. Mon ami. Le ciel s'est ouvert. Ça n'a pas quand même. Sinon tu resteras 6 mois. Sans prendre pas 6 mois. Tu ne seras jamais Pierre. Faut pas attendre les pierres. Tant que le ciel n'est pas ouvert. Ça reste à papa. Pour que tu rencontres d'abord. Tu faut rien. Le premier, ton premier partenaire. Faut pipi tout notre. Le premier qui va intervenir qu'on appelle Jésus. Pipi n'attire pas ta Jésus. Tu ne rencontres pas le premier qui vient du ciel. Faut pas s'y arrêter sur l'initiative. Jésus. Pipi à Jésus. Tu ne rencontreras pas le second qui vient du ciel. Faut pas s'y arrêter devant moi. Si son roi. Si tu n'as pas eu la première rencontre avec le premier partenaire. C'est qu'un pipi tout notre. Tu n'auras pas la rencontre avec le second partenaire. Faut pas s'y arrêter devant moi. Le second partenaire, le Saint Esprit. Bah, il vous a bien assis. Ne viens. Lorsque tu as rencontré le premier partenaire Jésus. Tant que tu n'as pas rencontré le premier Jésus là, à Jésus. Le Saint-Esprit ne s'intéresse pas à ta vie. Si son âme tourne à tourner autour de toi, il va continuer à tourner. Le Saint-Esprit tournait au-dessus de la terre, mais il n'a rien fait. Il a fallu que la parole soit là. La parole c'est qui? C'est Jésus. Quand Dieu a parlé, quand la parole est venue, le Saint-Esprit a travaillé. Le Saint-Esprit ne travaille pas si d'abord tu n'as pas reçu la parole. Si tu refuses de recevoir la parole, tu veux les choses, tu veux les il n'y aura rien. Il va continuer à tourner. Mais il ne donnera pas de fruits. Tu ne récolteras rien. Simon. Jésus vient. Jésus et il regarde. Jésus aussi est un pêcheur. Lui aussi il est un genre de pêcheur. Mais lui il pêche pas les poissons. Lui il pêche les hommes. Pour qu'il t'utilise, il faut qu'il vienne là-bas, là où tu réussis d'abord. Il va te montrer, même là, tu sembles réussir là. Même là-bas, là, tu es limité. Là où tu tires ta gloire, c'est là-bas qu'il va te montrer qu'il n'y a rien. C'est là qu'il va te montrer. Jésus dit à Simon. Mon ami, prête-moi ta barque. La barque, c'est toute la vie de Pierre. C'est toute la vie de Pierre. Il y a Pierre Fouimagili. Si vous lui enlevez la barque là, il n'y a plus rien pour se débrouiller. Jésus veut d'abord ta barque là, c'est ta vie. Jésus dit, donne-moi ta barque, je vais rentrer là-dedans. Si Jésus reste au dehors là, Jésus sans payinga, sur la berge là, sans y aller, il n'y aura pas de changement. Tuing pendant tuing. Jésus dit à Pierre, Jésus est la Pierre, ta barque là, faut là où tu demeures là, faut embésiner pêcher là. Non, yezima, ouais. Moi je vais rentrer là-dedans. Amdatin qui est bé pour bé. Je vais rentrer là-dedans. Amdatin qui est pour bé. Jésus rentre. À Jésus tiens, il parle. Ngomé. Il est en train de pêcher les hommes. Mais Pierre et ses amis ne font pas attention. Ils sont tellement découragés qu'on ne nous a même pas dit ce que Jésus, comment Jésus a gagné les hommes. On ne nous a pas dit parce que Pierre était occupé par autre chose. Et dans leur tête là, c'est l'argent pour aller à la maison. Jésus a parlé à la foule qui était sur la rue. Il a gagné les âmes. Il n'a même pas parlé à Simon. Ça ne les a pas intéressés. Ils sont intéressés, ils sont tournés vers leurs propres intérêts. Nous sommes tellement tournés vers nos propres intérêts. Quand Jésus vient, on ne s'intéresse pas. Tant que c'est pas, il ne va pas faire quelque chose pour nous là. Quand il fait pour les autres là, ça ne nous intéresse pas. C'est tant que
que Jésus ne parlait pas à Pierre. Jésus n'a pas gommé Pierre. Tout ce qu'il disait aux gens là. Pierre n'a même pas écouté comment Jésus, qu'est-ce que Jésus a prêché aux gens. Pierre pas qu'il a dit du monde n'est pas bon. Nous sommes trop trop égoïstes. Nous sommes tournés vers nous-mêmes. Jésus est en train, il est dans ta barque. Tu es assis à côté de Jésus. Il est en train de parler à la foule. Il est en train de pêcher les foules. Il est en train de montrer comment on pêche. Comment on réussit dans la pêche. Pierre n'a même pas écouté. Pierre pourrait pas qu'il l'intéresse pas. Et il va le mieux. Moi, j'ai un problème. Ma femme m'attend. Mes enfants m'attendent. Voilà le problème des gens. Quand ils vont à l'église là, ils s'en foutent éperdument des gens qui souffrent. Quelqu'un va venir dans l'église. Quelqu'un s'est assis à sa place. Le type vient d'arriver. Il s'est assis à sa place. Le type ne sait pas. Dans l'église là, les gens ont leur place. Il s'assoit là-bas. Elle vient seulement. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Madame, il y a point. Tu sais pas c'est ma place. Faut que tu me dises la cara. La dame dit il y a pas ton nom. Pareil, il faut Yurkabe. Il y a pas ton nom. Tu me vois pas chaque jour. Yurkabe, faut pas y aller Mamkabe ou Vema. La dame dit c'est la première fois. Même si c'est la première fois, tu dois savoir. Faut se remettre bangé. C'est là où moi je m'en vais. Tu dis kanga, kala même si. Vous riez. Aime la dame. C'est ça tout le temps. Ya nyo wa kanfa. Vous venez dans l'église. Avant que le culte commence. Vous avez déjà perdu. Nyam zé kogam. Tout ce qu'on fait dans l'église là, il a fait des chaises. Toi, tu as perdu la présence du Saint-Esprit. Il faut même si son bel manéfo. Ouais, comment les gens sont? N'gawa. Ils viennent, ils écoutent tout ce qu'on fait là. Parce qu'il suffit que maintenant, moi ça, l'accueil lui dit, mais madame, accueil madame, il y a une place derrière vous. Zingime un poron. Là, vous avez l'habitude de s'asseoir là. Ah, non, ici. Zindika. Non. Ayo. Elle doit savoir. Assez le même bangé. Elle s'assoit maintenant là-bas. Le pasteur vient pour prêcher. Pasteur en amont, hein. Parfois j'ai envie de dire à ces gens, va te coucher à la maison, ne perds pas ton temps ici, tu n'auras rien. Oui frère, le problème c'est pas, écoutez, rien. Est-ce que vous pouvez délivrer une femme comme ça? Elle est dans la désobéissance. Arrêtez pour voir votre ministère. Bah, si, y a le ministère, c'est pas pour chasser les démons. Hein. Pas une c'est pour c'est l'homme tout entier. Y a ni ça la torgili. Son esprit, Asira, son âme, Ayama, son corps. N'yinga. Ah oui. N'yawa. C'est ça. Yare. C'est l'homme tout entier. Y a ni ça la torgili. Dieu vous a pas appelé pour vous occuper des démons. Ouais, n'a pas bon l'homme tel que j'en bala. L'homme tout entier. Ni ça la torgili. Maintenant. Monsawa. Quand Jésus a fini. Jésus wasawa. Il se tourne vers Pierre. Il est Pierre. 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 Il dit Simon de Moïse. Simon. Dès qu'il dit son nom, il dit ah. Oui, oui. Il y a quoi? Quand on s'intéresse à nous, maintenant on devient chaud. Mais parfois c'est étonnant. Je sors, je suis dans la cour. Ici haut, en France haut, partout. J'ai fini de prêcher. Maman, dans la cour. Un frère vient me voir. Je suis en déparé à un frère. Il y a trois qui vont venir s'arrêter. Qui veulent me parler. Ah, mais je les raboupagne. La personne qui me parle là, elle n'a pas d'importance alors. Elle n'a pas d'importance. Vous imaginez? Les gens sont tellement tournés vers eux-mêmes. La pauvre femme qui a pris votre place là. Elle est tellement malade. Quand on dit on va prier pour les malades. Elle ne peut même pas se lever marcher. Pour ne pas tenir qu'une tienne que vous voyez que vous avez fait du tort à une pauvre femme. La femme elle est tellement malade. Qu'elle ne peut même pas marcher. Et vous êtes levé. Vous fâchez contre elle. Vous avez perdu votre joie. Est-ce qu'un homme peut écouter quatre personnes à la fois? Lui, il vient me parler. Vous voulez me parler? Restez à distance. D'abord, n'écoutez pas ce qu'elle va dire. C'est sa vie privée qu'elle va raconter. Restez à distance. Ils vont venir mettre. J'ai vu des cas comme. J'ai oublié de bousculer parfois des femmes. Toi là, tu n'auras rien ici. Donc ça veut dire que c'est celle qui me parle là n'a aucune valeur. C'est ton problème seulement. Foyer là-bas là. Mais malheureusement, les pasteurs ont habitué. Un pasteur, parfois, il est content. Il dit ah, la il y a quatre femmes qui me parlent à la fois.
Ah oui. Moi, je suis important. Il y avait une devant, une derrière. Chacun me parlait de Alizata. Geneba. Bintou. Françoise. Bintou. Geneba. Alizata. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Soyez intelligent. Yamayal talbangar kay. Et non beba la 4 personnes. Netin gomne neba na wakati yanga wala kila neba na wakati yanga. Voici ce qui fait que votre vie. Ya yon ki diam vie. Il y a pas de joie là-dedans. Sinoka pour si le passé ne vous n'arrive pas à vous parler. Vous êtes déjà fâché. Yam tu es à la maison. Voilà. Yam couture adem non coule. Comme l'autre est venu avec Bazin là. Yo wané Bazin. Voilà la femme de Bazin là. Mais la femme de Bazin est venue avant toi. Bazin wa dinga fonwa. Elle est venue avant toi. Basé en sobre et en et tu te fasses, tu vas à la maison. Faut sourire qu'on coule. Ton problème va se faire résolu. Faut y aller dans la manière. Je parle plus à l'église. Je parle plus à l'église, hein. Quand on parle au passé, on ne parle pas. Tu n'as qu'à aller. Quand chez Emmanuel International. Quand Emmanuel International n'est rien. Il n'y aura rien. Bafoui, pas dans la manière. On a le même Dieu. Ton tara wenyenga. Emmanuel n'est pas un Dieu différent de mon Dieu. Emmanuel, on n'a pas tourné ma foi. Tu me. Si tu dis jeûne d'Emmanuel, c'est pas mieux? Frère d'Emmanuel, pas ça. Ou bien? Biboin. Esther vient jeûner avec toi. Bon, Esther va lui dire. Non, je dis ça pour le taquiner. Hein. C'est pour vous enseigner beaucoup de choses. Vous voulez imiter Esther. Esther n'a jamais été sauvée. Esther n'est pas née de nouveau. Esther n'est pas une nouvelle création. Dans le livre d'Esther, on ne parle même pas le mot de Dieu une seule fois. Même pas un seul mot de Dieu. Jamais. Va le lire. Dans le livre d'Esther, il n'y a pas le mot Dieu une seule fois. When am you rakabe babe vugule? Va lire demain, tu dois un million. Va lire. C'est quand le bureau n'a pas un million. Sans y en when am you rakabe, Esther se prépare. Il est ton quoi? Il est ton cousin? Bien, faut pas, il faut d'en là. S'il est le Dieu d'Esther, il est le cousin de Jacques, non? Il est ton cousin? Ah bien, faut voir là. Ah bon, si tu sais, donc appelle le Dieu de Jacques. Nous voilà, ta Jacques. Appelle-le le Dieu de Jacques. Voilà, ta Jacques, Wenam. Il est le Dieu de Karambri Mamadou. Ah bien, Karambri Mamadou, Wenam. Ça ne vous enchante pas. N'y a pas qu'à rien. On dit Dieu d'Abraham. Tu connais Abraham? Faut mieux Abraham. Mais Abraham, il faut. Tu es israélite? Faut y aller Israël net là. Burkinabé, teint noir comme ça. Burkinabé, net dans Sabela Wamame Yaska. Il n'est pas ton Dieu, non? Pas pour et quel problème il y a ça? Si vous voulez emprunter les choses des gens là, soyez content de vous-même. Ou bien, c'est ça. C'est ça votre relation avec Dieu. Dieu est mon papa. Un point, c'est tout. Il est mon papa. Faites comme le fils de Kennedy. Son petit-fils. Était en train de se promener sur la pelouse de la chambre maison blanche. La maison blanche. Maison blanche. Et puis le matin, il y a un homme qui veut voir le président des États-Unis. Il tourne. Les gardes le menacent. Le petit John. Ta petit John. En ce temps, il avait 9-10 ans. Regarde, il a vu l'homme là tourner. Et les gardes étaient derrière lui. Mais le petit John s'est avancé. Il a demandé au monsieur là. Depuis le matin, vous êtes ici. Il dit, vous voulez voir mon papa, non? Vous entendez? Il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit, vous voulez voir le président? Il a dit, vous voulez voir qui? Il a dit, oui. Vous êtes le fils du président? Il dit, oui. C'est mon papa. Vous voulez le voir? Il dit, oui. Lui, il vient de loin. Il a des problèmes. Il dit, reste là. Le petit est rentré. C'est bien que... Il est sorti, oui. Il a dit à l'homme là de suivre. Il est là pour moi. Les gardes là sont venus. Il dit aux gardes là, il veut voir mon papa. Il veut... Non, il leur dit, hein. Il ne veut pas voir le président. Hein. Quand il veut voir le président, président. Je vais faire ça. Si c'est mon papa, mon papa n'a pas de garde-corps. Mon papa n'a pas de garde-corps, il est là. Les gardes là suivent le petit. Les gardes n'ont pas pour le biga. Suivent le petit. Pour le biga. Il rentre. Ok. Kennedy était en réunion. Kennedy a mal à tirer. En ce temps, il y avait la guerre qui se préparait
dans, avec les communistes là, la baie des cochons. Il y avait un problème. Il y avait une réunion importante du conseil des ministres. Brusquement, Kennedy était assis à ses ministres. Kennedy dit, il voit la porte ouverte. L'enfant rentre. Bigeke. Quand il rentre, Bigeke. Il court. Il saute, il s'approche des pieds de son papa. Devant les ministres. Tous les ministres ont fermé leur bouche. Le président et son fils veulent se parler. Écoutez-moi, frère. Alléluia. Il dit, papa. J'ai mon ami qui est venu de loin, il veut te voir. Et puis il demande à son papa là. Quels sont les gens qui sont là? Le président dit, ce sont mes ministres. Il dit, mais lui, il a son ami. Donc son ami est plus important que tes ministres. Le président a dit à ses ministres. Vous comprenez, non? Il y a la salle d'attente là. Attendez là-bas. Et le petit allait chercher son ami là. Il dit, papa, voilà mon ami. Il règle ses problèmes. L'Amérique a donné cet exemple là. Nous étions à l'université. On avait l'université de Ouagadougou. Vous imaginez? Il connaît son papa. Biga mea baba. Il sait qui il est. Ami nye isoba. Tout le temps Dieu d'Abraham. Jéhovah Sirkenou. Jéhovah Caillou. Vous inventez des noms nouveaux. Nan, il est votre quoi? Il est ton oncle? Il est ton oncle? Emily Bayam Yabla. Il est ton quoi? Ton papa. Appelle le papa. Arrête de prier Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu m'as déjà entendu prier comme ça. J'ai prié toujours quoi? Excellent père de... Tu m'as entendu dire Dieu d'Abraham, d'Isaac? Tu t'appelles le Dieu d'Abraham, ça veut dire qu'il n'est pas ton Dieu? La tradition là. Minunga ouais. Tradition. Minunga ouais. Tu entends mon ami? Où me l'avez-vous joué? Il dit Pierre. Viens la Pierre. Simon du moins. Simon. Jetez vos filets. L'ob gamba wa. L'obi gamba wa. Ne discute pas. La wa no kemde. J'attends que tu jettes le filet. Mam goude fo l'ob gamba. N'argumente pas avec moi. La parole ne m'a menga. Ma parole là. Mam gomda wa. Il dit mais on dirait que tu me connais pas. Ya vous comme mam koi. Si tu me connaissais, si tu savais qu'au commencement de tout là, quand le Père recréait la terre, c'est moi quand il a dit que les océans se remplissent de poissons là. C'est moi la parole là qu'il a utilisée. Et quand il a parlé, le Saint-Esprit et moi, nous avons rempli tous les océans de toutes sortes de poissons. Alors, c'est le même qui est là maintenant, enveloppé d'une chair. C'est le même Dieu qui a parlé au commencement là. Qui est là devant toi. Qui est enveloppé simplement de chair. Mais il est toujours Dieu à l'intérieur. Quand il parle, il veille sur sa parole. N'essaie pas de raisonner avec mes paroles. Jette. L'obé gambawa. Jette. L'obé. Jette seulement. Fais le bala. Et là, Pierre a pris son filet. Pierre dit qu'à gamra. Tu es sûr qu'il a fermé les yeux? Zi pour un moumanine. Quand il a jeté. En l'obraya. Écoutez. Quel rien? La parole là. Gomda ouais. A crié dans l'eau là. Nana kouma poua. Des poissons que Pierre n'a jamais pêché. Zima Pierre enseigne, tout en signe zimien. Ce qui a étonné Pierre là, c'est la qualité de la pêche là. Il y a Zim Pierre dans la Zim. Plus que lui, il est pêcheur avec ses parents. Il n'a jamais vu des gros poissons et les genres de poissons, il n'a jamais vu cela. C'est ça qui l'a choqué. Il y a un homme à Pierre. Tu veux un déploiement dans ta vie? Fera ta main libre, il n'y en a pas pour vous pourra.
Tu as su ce que Dieu t'a dit. Fo banga wena me foman boninga. Ne regarde pas ton environnement. La gesse ngubu fo waye. Ne dis pas. Na yele. Moi j'ai pas telle qualité. Nam parat wote. Moi je suis un expert. Ademita qui a été confondu. Am pas bien entendre. Les experts sont confondus afin qu'ils comprennent que Dieu est le plus grand expert et le seul expert. Mit ba pam na yande na ilma tiwon nam la mita yen taw yidne ba fan. Et Jésus lui dit. Yela. Maintenant. Mo sanwa. Pierre. Pierre. Tu peux me suivre, non? Faut un pour même. Simon a laissé son père. Simon Basaba. Jacques a laissé son père. A Jacques Basaba. Pour laisser son père. Tiner Basaba. Avec la pirogue. Nem pirogue. Sachant qu'ils sont vieux. Minde bien n'kiemse. Il faut que quelque chose soit passé. Ren boum de ngaman. Tu entends? Oum namé. Pourquoi tu luttes avec la maison de ton père? Moi, faut m'en aller au Zaka. Pourquoi tu luttes avec les traditions de ton père? Moi, faut m'en aller au minimum. Parce que Dieu n'est pas aussi grand que tu penses. Moi, n'am pas qu'à jouer pour le tarada. Sur place. Zipouroué. Il n'a pas dit aller jeûner pour voir si vous devez me suivre ou pas. Mais le petit lingue, m'en pour pas d'apport. La Bible dit, je vous fais pêcheur de d'hommes. Ils laissèrent leur filet. Abbasal zima gambabe. Et leur pirogue. Ne pirogue d'abé. Et ils ont dit papa. La vie là. Dis à maman. Il y a dit à tout le monde. La nuit fin. Que nous allons suivre Jésus. Si ton emploi à Jésus. La ton emploi à Jésus. Le redéploiement a commencé. Libéré. Yadar parle ma singane. Ça c'est la première rencontre. Quand est Bibi sec. Jésus est entré dans leur vie. Jésus qui est vie me pourra. Et toute leur mentalité va changer. La tarte fagi nantoy mamé. Leur vie de prière va changer. A vous imposer nantoy mamé. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus. Yande bien à Jésus. Enseigne-nous à prier. Zamsi ton posera kay. Parce que pourquoi? Moyinga. Maintenant ils ont vu les résultats de la vie de Jésus. Mon sa bien Jésus vous imposer. Maintenant ils sont intéressés par ça. Mon sa Jésus vous imposer. Blata la main. Ouais, vous êtes avec moi. Vous êtes trop habitué à moi. Yami manema. La femme de Yongi Show avait un problème. Yongi Show parle à tous ceux qui sont avec moi ici là. Ils croient connaître mes messages. C'est Rabbi même quoi ma femme. Quand ils ont des problèmes. Hein. Ils sont remplis de problèmes. Si autre il parle là, ils sont. Mon papa a déjà dit. Il a précisé ça en mettant. Oui, c'est quelle date même? Il a précisé ça. Moi na yawa. En 50 1950. Écoute-moi, moi. Quelle est la même babille? Vous êtes en train de rêver? Je vous dis, non, je vous yam, prie, je regarde. La femme de Yongi Show. Yongi Show, parent. Dieu agit avec Yongi Show. Les paroles de connaissance. Les gens sont guéris. Mais sa femme était malade. Parada bada. Malade. Bar, quoi. Yongi Show a prié pour Yongi sa femme. Rien. Il a tout fait pour sa femme, rien. Man, nan, kwa, para, fam, parce que sa femme est habituée, il connaît les messages de son mari. Et pendant des années, c'est comme ça. La femme suit son mari. Par rapport à la elle voit les gens guéris. Elle n'aime pas mal. Mais pourquoi Dieu ne me guérit pas? Elle croit parce qu'elle est la femme de Yongi Show, Dieu va la guérir. Non. Et un jour, elle a suivi son mari pour à une séance. Quand le mari a commencé à prêcher, quand elle a donné le titre du message, la femme dit, bon, je sais ce qu'il va dire. Ça fait 20 fois qu'il a déjà prédit ça. Il va raconter les mêmes témoignages. Il va dire les mêmes verbes. Bon, je veux profiter de faire la sieste un peu. En attendant qu'il finisse, on va aller. Et elle était assise dans la chaise à côté de son mari. Donc il se prêche. Il prêche. Les gens sont guéris. Elle est là seulement. La fin de son message va arriver. Quand il dit ça, il est proche de son message. La fin, il va faire la conclusion bien. Mais un seul coup, le Saint-Esprit, Yongi Show donne une seule phrase. Et en ce moment, elle a ouvert les yeux. Le Saint-Esprit prend cette phrase-là, qu'elle a entendue plusieurs fois. Et dit à la femme là, c'est ton temps maintenant. Saisis ça. Et à l'instant, la femme qui a entendu cette même phrase là, 30 fois, 40 fois, brusquement ça devient quelque chose de nouveau. La femme est guérie instantanément.
pourquoi ce jour-là marare, elle a redéployé sa pensée. Elle ne voyait plus son mari, le prédicateur, avec le même message. Elle était habituée au message de Dieu. Mais ce jour-là, son buisson a brûlé. Elle a rencontré le Seigneur dans le buisson ardent. Son ciel s'est ouvert. Si ton ciel ne s'ouvre pas, tu peux entendre toutes les prédications. Rien ne se passera. Élie a dit au prophète de Baal, Élie le Abal il faut que le ciel s'ouvre pour qu'on sache qui est Dieu. Il faut que le ciel s'ouvre et que le feu descende. Parce qu'il y a du feu sur la terre. N'importe qui peut prendre ce feu-là, aller allumer du brasier. On va laisser tomber les traditions. Ce que nous voulons là, nous voulons que le ciel s'ouvre. Les prophètes qui vont ouvrir le ciel, les prophètes qui vont descendre le feu, c'est leur Dieu là qui est le vrai Dieu. Ah, le peuple a dit oui, d'accord. Le peuple a dit oui. Les Baals ont crié. Ils ont gémi. Élie riait. Élie Baal dort, il fait la sieste. Il quel même patient. Ils ont crié Baal. Ni voir. Quoi, pas ni rien. Pas Élie est venu. Élie, il n'a pas fait beaucoup de choses. Il a coupé son bœuf. Il était 13h. Il a dit, si je ne fais pas savoir quoi, c'est la chaleur qui a mis le feu là. Il a arrosé tout. Et il a dit simplement à Dieu. Il n'a pas gêné et prié. Il avait déjà la parole. Alors, il avait dit, allez faire quoi? Hein? Tu dois connaître ça, non? Charlemagne, allez-y. Dieu lui avait dit après 3 ans d'aller faire quoi? D'aller ouvrir le ciel. Ça tombe pas ça. C'est lui qui est pas d'ouvrir le ciel. Il y a rien de pas là. Hein? Tu dois connaître ta Bible. Charlemagne, on a besoin. Vieux Jean. Comme dit. Apprenez à connaître votre Bible. Ça me c'était bien, il y a moins d'âme. Bah Dieu lui a dit. Va ouvrir le ciel. Tu tombes pas ça. Que la pluie vienne. C'est ça quoi? Qu'Élie est parti rencontrer les Baals. Élie quand tu recevras Baal d'en bas. Il n'est pas parti rencontrer les Baals après jeûne et prière. À part sur un énorme colère, il s'est rencontré les Baals. Moi, j'ai bien tenté ça. Et d'ouvrir le ciel. La part ça. Et c'est sur cette base la parole là. Là, on a comme le souk. Élie a dit. Là, il y est. Tout ce que j'ai fait là. Maman enfant. C'est sur ta parole. Il y a rien on a comme le souk. Il y a peut-être pour ce quoi. Il y a rien comme le souk. Tu dois tenir parole. Là, il y a rien comme le souk. Tu ne tiens pas parole. Là, ma maman est comme la yéte. Tu ne vaux pas mieux que les dieux de Baal. Il y a pas ça ma balle dans moi là. La différence entre toi et les Baal. C'est que quand toi tu parles, tu tiens parole. C'est ça que vous devez écouter dans votre Dieu. Tant que votre Dieu ne sera pas un Dieu digne de confiance, partez là où vous voulez. Rien ne changera dans votre vie. Si Dieu n'est pas digne de confiance, n'importe qui n'a qu'à prier. Rien ne se passera. Élie était seul. Et il a dit avec Dieu, un homme et Dieu, ça fait la majorité absolue. Il n'avait pas peur. Parce qu'il était appuyé sur la parole de Dieu. Ne regardez pas le nombre de gens avec vous. Dieu n'a pas ouvert le ciel. Le feu n'est pas descendu. Hein? Le feu est descendu, oui ou non? C'est ça. Votre ciel s'il reste ouvert. Vos holocaustes restent entre vos mains, même si vous jeûnez, vous dansez. Il n'y aura pas de feu. Non. Ayo. Sur quoi vous basez? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quelle est la parole que vous avez dans votre main? Les gens voient à gauche, à droite. Les gens croient qu'en changeant d'église, ça ne change rien. Il y a une seule église indivisible. Il n'y a pas deux églises. Il y a une seule église. Non, mon ami. Ayo, c'est de rester là où tu es et de commencer à obéir Dieu. Et si tu obéis à Dieu, là, même si autour de toi tout le monde est incrédule, Dieu viendra te visiter. Chez toi.
le ciel s'ouvrira sur ta vie. Ne crois pas en allant à gauche à droite. Il n'y a pas l'amour ici. Il y a l'amour haut. Il n'y a pas l'amour ici. Beaucoup de gens, c'est ça. Quand on est venu ici, on pensait, on nous a entendu, on a entendu que le passé carambiri comme ça, et on est venu, on a été déçu. Tu seras déçu. Si tu es venu parce que Jésus est ici, et tu vois, mais si tu viens, tu veux t'attacher à un homme, l'homme là va te créer des problèmes. C'est pourquoi mon frère, Élie s'est basé sur ça. Maintenant, ce n'est pas fini. Il a marché avec Jésus 3 ans et demi. Marcher avec Jésus 3 ans et demi. Il a vu comment Jésus opérait. Il a vu les miracles. Lui-même, il a fait des miracles. Lui-même, il a chassé les démons. Lui-même, il a guéri les malades. Lui-même, il a marché sur l'eau avec Jésus. C'est Pierre, c'est Simon là. Mais il n'est pas encore Pierre. Là, non, pas Pierre. Il n'est plus, il n'est pas inébranlable. Il est toujours Simon. Il y a Simon Tanguiga. Les miracles qu'il fait là. Il y a les démons qu'il a chassés là. Il est toujours Simon. Il y a Simon. Tu vas me dire, ah bon? Il n'avait aucun démon. Mais il était Simon. Simon. Un homme, un roseau fragile. Un homme qui n'a pas été changé de l'intérieur. Un homme qui ne pouvait pas se déployer. Parce qu'il n'a pas rencontré le deuxième partenaire qu'on appelle le Saint-Esprit. Un jour, on arrête Jésus. Il y a une jeune fille. Maigre. Il dit à Simon. Il est Simon. Il dit, toi, tu es disciple de Jésus. Faux. Jésus Karambiga. Ce costaud-là, il jure. Tignawa nentwenga tanawen. Wallahi. Wallahi. Il ne connaît pas Jésus. Mam kamia Jésus. Biga. D'abord, il y a un commandement. Vous savez, vous là, vous cherchez des problèmes pour les gens. Toi, dans la foule là, tu n'as pas vu quelqu'un aller. Je n'aime pas ces salles. Jésus entend. Voici le chasseur de démons. Voici l'homme qui a marché sur l'eau. Voici l'homme qui a fait des miracles. Le voilà, il dit qu'il ne connaît pas Jésus. Il avait raison. Il l'a connu intellectuellement. Il ne connaît pas. Ce sont les épreuves qui vous révèlent si vous connaissez Jésus ou pas. Il y a des problèmes qu'on sait si vous connaissez Jésus ou pas. Il y a des problèmes. Moi j'étais venu ici. On m'a dit que si on vient ici, les problèmes sont résolus. Comme Jésus ne fait rien, moi je retourne dans mon ancienne religion. Tu n'as jamais connu Jésus. Quelqu'un qui connaît Jésus ne peut pas retourner dans son ancienne religion. Jésus n'est pas une religion. Il est la vie. Jésus est vie. Il n'est pas une religion. Je dis pas d'inoua. Nous sommes dans l'année du redéploiement. Il faut redéployer ta pensée. Tu t'es laissé asservir par les gens pendant des années. Dans 10 ans, tu vas continuer encore. Les mêmes gens vont t'exploiter. Ils vont te raconter les mêmes histoires. Et il n'y aura rien. Là-bas, il faut comme mané. Regardez maintenant. Dans Jean 21, on ne va pas le lire. C'est moi qui suis debout pendant 2 heures. Vous êtes assis et vous voulez dormir. Je vais vous réveiller. Hein? Ok. Qui est debout? Qui est sur ses deux jambes? C'est moi. Vous êtes assis confortablement. Et vous voulez dormir. Si ton voisin dort, donne-lui un bon coup de palme. Ne pars pas en enfer en climatiseur. Tu es en train d'aller en enfer là. Faut dire la boutique.
Écoute-moi. C'est le séminaire. Séminaire Kanya. Écoute, frère. Il n'y a pas de démonstration. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu amènes mon peuple là. Ce qu'ils ont méprisé le Saint-Esprit. Ils l'ont même pas considéré. Là. Certains ont dit que le Saint-Esprit gâte l'église. Dis-leur comment le Seigneur de l'église peut gâter l'église. Dis-leur ça. Jésus est la terre. Comment celui que Jésus a laissé là peut gâter l'église? Répentez-vous, hein? Vous avez dit ces choses là, répentez-vous. Maintenant, Pierre, quand on a arrêté Jésus, il a rétrogradé. Il est retourné dans quoi? S'il connaissait Jésus, est-ce qu'il peut rétrograder? Il est redevenu encore pêcheur de poissons. Dieu t'élève à être pêcheur d'hommes. Toi-même, tu te rétrogrades, tu deviens pêcheur de poissons. Et il s'en va pour pêcher. Est-ce qu'il a réussi? Lui et ses disciples-là, et ses camarades, ils ont pêché encore quoi? Toute la nuit encore, oui ou non? Ils ont attrapé un poisson. Pas mal d'info. Une deuxième fois, qui vient encore? Non, le même Jésus réussit. Jésus te donne une nouvelle chance. Jésus le compte sur nos paroles. Tu as rétrogradé jusqu'à ce jour-là. Faut la même, le Jésus temps. Te donne une nouvelle chance. Jésus quoi, faut nous parler. Il revient vers toi. Le pour te dire. Non, il faut. Regarde tes pensées. Get for tarzman. Tu t'es laissé troubler par les pensées humaines. Faut pas nisser à la tarzman faut. Il revient vers toi. Le bras d'afonenge. Et quand il est revenu. Le bras wawa. Il a remonté qui? Le bras d'ouze à Cana. C'est Jean. Y a Jean vie. C'est Jacques. Y a Jacques vie. Qui était tombé? Quand il a lui. Simon non? Y a Simon. Non, Pierre n'est pas tombé. Pierre pas lui. Ouais. Simon qui est tombé. À Simon lui. Pierre ne tombe pas. Pierre, parle-toi. Faut pas. C'est le problème, vous êtes habitué au prénom. Il y a c'est pas un prénom. Il y a pas eu. C'est une identité. Il y a Yelen Lab quoi. Pierre n'est pas tombé. Pierre, parle-lui, ouais. Si vous dites Pierre est tombé, Pierre lui a mis. Alors que Pierre est un caillou du gros rocher. Ta Pierre y a si le petit caillou est tombé, le gros rocher va faire quoi? Piga y piga non, si Pierre est tombé, Jésus est tombé. Lui a mis. Pas Jésus est le gros rocher. Jésus le piga kasanya. Dans l'hébreu on dit Petro Petra. Hébreu Petro Petra. Petro Petra. Petro Petra. Vous entendez? Et où la main? Pierre fait partie du gros rocher. A Pierre n'a pas piqué. Si vous dites que Pierre est tombé. Pierre lui le gros rocher Jésus est tombé. Puis Jésus pas lui Simon qui est tombé. Il y a Simon en loutre Simon lui. C'est pourquoi vous dites qu'un chrétien né de nouveau est tombé là. Je crois pas. Parle, un chrétien lui, né de nouveau ne tombe pas. Qui vient le parle pas l'autre. Il y a un problème. Il y a là tara. Et vous étudiez des versets, on dit qu'il est déchu de la grâce. Déchu de la grâce, il veut dire qu'il a perdu son âme. On nous a prêché, nous on croyait ça. Parce que Dieu m'a dit, quand quelqu'un est dans un régime, il quitte ce régime-là. Il tombe dans quoi? Dans l'ancien. Déchu de la grâce, veut dire qu'on a abandonné la grâce de Dieu, on a commencé à retomber dans la loi. C'est ça que ça veut dire simplement. On est là. Ça veut dire qu'on a perdu son âme. Pardon, Christ a obtenu une rédemption. Christ a obtenu une rédemption. Non, trimestrielle. Bi qui veut t'abattre? Il y a des chrétiens sauvés trimestriellement. Chrétien lui-même pas me faire qui veut t'abattre? Tous les trimestres ils vont saisir un nombre de Dieu pour être sauvés. Qui veut t'abattre? Qui est-ce qui nous donne un pas me faire? Tous les trimestres. Tu veux ton enfant. Il faut qu'il voie un homme de Dieu. On est bien on a peut-être tombé là. Ah pasteur. Pasteur. Il faut vérifier est-ce que vraiment mon salut là est bien. Je t'aime faire là viens en vie. Et toi tu t'assois à Bougatouli mais on va voir ça. Tu vas voir quoi? Je vais être ouais c'est intéressant là qu'est-ce qu'on fait? Tu t'appelles sauveur? Faut la faire là. Il la faire. Il a obtenu une rédemption. Après la fougue zanga. Éternelle. Voilà la fougue zanga. Quand le juste tombe cette fois là. Hey, on a pas dit que le juste perd cette fois, il revient. Après, le juste tombe cette fois, veut dire quoi? Dans ta marche, tu tombes. Même dans ta marche quotidienne là. Un caillou te fait tomber. Est-ce que quand tu es tombé là, tu changes d'identité? Faut sans lui, faut si je marche, je tombe là. Celui qui est tombé, il s'appelle Turuki. Il m'appelle qui? C'est Karambri qui est tombé. Ça change mon identité. Est-ce que quand je tombe là,
je deviens chien. Maman, lui, me lève pas quoi. Qu'est-ce que quand je l'élève là, carambrique s'est relevé. On n'a pas dit j'ai perdu mon salut. Et si tu tombes cette fois, ni tu dans ta marche là, tu te fais des erreurs. Attends, tu mais les erreurs n'annulent pas ton identité. C'est la vérité que vous devez savoir. Vous êtes manipulé par les gens. Les gens vous escroquent. Les gens vous demandent ceci ou cela. C'est ça qui fait la faiblesse. Ça vous fait des faiblesses. Tout le temps, votre vie est prise en otage par un homme de Dieu, une femme de Dieu. Quelqu'un qui s'arrête, qui vous dit, Dieu a dit, Dieu vous donne ce passage-là. Dieu veut vous fortifier. Il dit, mon frère, ma soeur, Dieu dit, voilà le verset qu'il te donne. Allez, verset où il faut. Psaume 20, verset 45. Verset final à nous. Il y a verset 45 dans le psaume 20. Il se pisse et t'as verset pina là, nous là. Tu dois te lever, partir automatiquement. Faut s'y aller, mais bah, Dieu peut mentir. Oui, non, tu es yardé. Psaume 20 à verset 45. Il se pisse et t'as verset pina là, nous là. Et Dieu va dire verset 45. Oui, non, mais le verset pina là, nous. D'un verset qui n'a jamais écrit. Verset, oui, non, j'ai un goût. Et vous asseyez. Tiens, c'est une prophétesse. C'est une menteuse. Aïe, j'ai une menteuse là. Une menteuse. Aïe, de Syrie. Quelqu'un qui fait inventer des versets nouveaux pour mettre dans la Bible. Verset pas, c'est pas goulin, il est là. Il est là, alléluia, alléluia. Saint-Esprit a dit. Si son yé la main. Dieu a dit. Mouen n'a la main. Acte 42. Thomas chapitre pina la yi. Verset 55. Verset pino la no. Il y a acte 50, 42. Thomas, chapitre final. Le livre d'Actes s'arrête à quel chapitre? Thomas, c'est vrai, chapitre le dernier chapitre d'Actes, c'est combien? Thomas, c'est un chapitre d'Abogon. Voilà, il ne connaissait même pas. Allez, il n'y a pas mis même. Tu es là, tu me regardes, c'est pour on va te tromper. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas. Vraiment, ça m'énerve. Il y a quoi? Les chrétiens qui ont des Bibles, ils ne connaissent pas. Il y a quoi? Acte s'arrête à quel chapitre? Thomas, c'est un chapitre d'Abogon. Dites à haute voix là, c'est combien? Il y a un an. Bien combien? Tas de misérables. Ouvrez votre Bible, ouvrez Acte. Là qui est Mme Sebrangese? Alors pourquoi vous dites 26 alors? Pisila ni, vous êtes amis de votre misérabilité. Il y a un autre ton image en face. Tout ma pisila yob, la tête qu'un chapitre. C'est pourquoi on vous manipule là? Il y a l'autre qui est un lien, mais moi, mi, d'où? Vous voyez, vous voulez compter sur des gens comme ça? N'importe qui peut les manipuler. Je suis allé sur la prophétesse là. Elle m'a dit que Dieu m'a donné pour mon ministère. Acte 42. Il n'y a pas acte 42. Allons-y le dire. Ma soeur, tu es une menteuse. Ah bon? Dieu m'a dit. Dieu veut te gifler tout de suite. Non, oui, là, tu as dit quoi? Dieu peut mentir? Oui, là, tu as dit quoi? Dieu peut mentir? Oui, là, tu as dit quoi? Un gros mensonge, tu mets sur le dos de Dieu? Là, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Non. Il y est. C'est-à-dire que vous. Hey. Quand vous étiez païen là. Y'a moi là, comme il y a. Vous aimez. Que les païens vous roulent. Les féticheurs vous roulent. Qui servent dans libre. Vous n'avez jamais été redéployés ici. Au Ghana. Ghana. Il y a un quelqu'un qui voulait garder son poste. Parce qu'il sentait qu'on va changer de gouvernement. Il un grand patron. Il y a patron qui est. Il s'en va voir un féticheur. Le féticheur lui dit, tu sauras garder ta place. Tu vas pas zing quand tu pas nyako. Cette petite case ronde là. Faut pas nier le guillemets bekawa. La porte là ne dépasse même pas un mètre. Ah non, il y a boule au gros. C'est là où les chèvres et les moutons rentrent. Il y a belle bourse ne pisse qu'un là. Il dit prends une chèvre. Et le dit que bonyanga. Mets sur tes épaules. N'ing faut pas le zou. Fais marche arrière. T'as pas tout le voilà démarque. Et tu vas rentrer. Si tu arrives à rentrer avec la chèvre. Le féticheur est intelligent. Faut entendre qu'il y a un bonyanga.
Est-ce qu'un homme qui fait marche arrière, il y a des yeux ici? Si tu arrives à rentrer avec la chèvre, tu seras gardé ministre. Les gens du village sont étonnés. Ils ont vu une voiture luxueuse venir dans le village. Les gens ils savent que c'était le personnel important. Ils sont chez le féticheur du village. Ils ont là en cravate avec veste. Avec une chèvre sur ses épaules. En train de faire marche arrière comme une voiture. Les gens du village ont dit, nous on n'est pas allé à l'école. On sait que le féticheur est en train de manipuler l'homme là. Les gens regardent le féticheur. Le féticheur dit, il a l'argent, il ne sait pas ce qu'il va faire. Attends, laissez-le. On va le ridiculiser. Vous entendez? Où est-ce? À la fin, Basman, il s'est débrouillé, il a regardé derrière, il a vu le trou, il s'est couché, il a fait rentrer la chèvre, et il a dit au féticheur, là, le féticheur a dit, ça là, c'est ça coûte cher, hein. Il dit, mais c'est combien? Il a dit, tu es sûr qu'on va me reconduire? Il a donné l'argent. Au prochain jour, on ne l'a pas reconduit. Le féticheur a dit, c'est comme ça, non? C'est ça, il a dit, est-ce qu'on peut tout gagner? Il a tenté un pamphlet. Tu as dû faire quelque chose qui a gâté les gris-gris là. Toi, il faut mettre un boum de sentier, Mawa. C'est ça. Yale? C'est ça le problème. Yale, mais là, quand les gens vous disent des prophéties, ni quand ça marche, quand vous partez, est-ce que tu as récité de notre père 10 fois? Faut tout ça. Dis non. Ah, voilà. Il faut pas dire ça. Pierre est découragé. La Pierre sur le Saint-Aïma. Jésus le guérit. Il dit Pierre. Il a Pierre. Maintenant, moi ça moi. Le Saint-Esprit va venir. Si son nom a tourné. Fais attention, hein. Man, comme ce quoi? Regarde ta vie. Guess for vima. J'ai restauré ta vie. M'amener ta foule me dire qu'il figure. Pour être pêcheur de poissons. La tenaille. Pêcheur d'homme. Tenaille ni sale ni de bas. Pêcheur d'homme. Faut n'ayez ni sale moi ça. Il faut que tu rencontres maintenant le Saint-Esprit. Il faut même qu'attacher Songo. Si tu ne rencontres pas le Saint-Esprit, ça peut être Songo. Ta rencontre avec moi là, faut certaine même ne peut pas aller loin. Pas tant jeune. Parce que moi, je vais partir. Balomnan lourd à moi. C'est le Saint-Esprit qui va faire le travail, le réel, le travail là, qui va prendre le salut là pour que ça devienne quelque chose de réel pour toi. Si son homme n'a pas de voix, bah maintenant ton frère a des haïkis pour n'inga. C'est lui qui va te qualifier pour être pêcheur d'homme. Si son homme qu'on faut ton de votre frère n'est pas. Et c'est lui qui va te donner la nouvelle identité. La si son homme qu'on faut y aller parle. C'est lui qui va faire que tu seras maintenant Pierre. Bah maintenant il faut lever à Pierre. Donc, Ren, va t'asseoir dans la chambre haute. Tu rendu y que tu reçois Zindbe. Attendez là-bas. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. J'ai dit jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Je n'ai pas dit jusqu'à ce que les tremblements viennent. Hein. Je n'ai pas dit à ce que la fraîcheur vienne. Hein. Je n'ai pas dit d'aller attendre l'onction. Hein. Même que toi-même tu m'as rencontré face à face. Tu étais avec moi là. Je suis réel là. Le Saint-Esprit aussi est réel comme ça. Si son mère vient au auto, il faut la même manière que tu m'as rencontré. Ou faut faire même toto au lac de Génézaret. Génézaret Bakon, ouais. Tu m'as rencontré. Faut faire même au deuxième lac encore. Bakayi, tu as marché avec moi. Faut qu'un animal. Le Saint-Esprit est aussi réel que moi. Si son mère a qui quoi, mamia.
Il n'est pas une influence. Il n'est pas une puissance. C'est une personne divine. Et on doit le rencontrer. Et quand tu vas le rencontrer, il va prendre ce que je suis venu faire pour toi. Là. Ce que nous appelons le salut. Là. Il va te donner une vie nouvelle. Il va te faire passer de Simon à Pierre. Pierre. Et il va te donner une capacité. Il dit, Simon, écoute-moi. Tu me connais, tu sais que je suis fils de Dieu. Simon dit oui, chef. Mais en tant que fils de Dieu, moi-même, je suis venu sur la terre par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, je ne pouvais pas venir sur la terre. Je ne suis pas tombé du ciel directement. Il dit, écoute-moi Simon, moi-même ton chef là, ton Seigneur là, c'est le Saint-Esprit qui m'a pris dans le ciel comme une simple semence. C'est le Saint-Esprit qui est venu me mettre dans le sein de Marie. C'est le Saint-Esprit qui a veillé sur moi 9 mois. Je suis né par le Saint-Esprit et je suis appelé fils de Dieu. Il dit, mais malgré tout cela, fils de Dieu, j'ai attendu 30 ans dans la frustration. 30 ans, j'allais dans la synagogue. Je savais que je suis venu sauver les gens. Je savais que je suis venu guérir les gens. Je savais que je suis venu donner la vie éternelle aux gens. Mais 30 ans, je suivais maman Marie et papa Joseph. J'allais à la synagogue. Les démons fatiguaient les gens devant moi. Je ne pouvais rien faire. Les gens mouraient devant moi. Je ne pouvais rien faire. Les gens étaient perdus. Je savais que je suis venu pour eux. Mais pendant 30 ans, je priais. Je jeûnais. Mais je ne pouvais pas aider quelqu'un. Pendant 30 ans, les femmes stériles étaient là. Pendant 30 ans, les démoniaques sont là. Pendant 30 ans, je partais à la synagogue. Je sortais de la synagogue. Je pleurais. Je disais à papa, Yelambaba, pourquoi je suis la terre? Papa dit, est-ce que le Saint-Esprit est venu? Il dit non. Il dit, mais alors attends le Saint-Esprit. Moi-même, j'ai attendu. Mais je n'ai pas commencé mon ministère en disant maintenant je suis fatigué. Je vais faire l'œuvre de Dieu. Si je l'avais fait, Satan m'aurait abattu. Satan allait me détruire. Il dit, vous le faites. Vous n'attendez pas le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, d'être contrôlé par le Saint-Esprit. Vous partez vous livrer à Satan. Quand je suis allé pour rencontrer Satan dans le désert, qui m'a amené? Est-ce que je me suis levé rencontrer Satan comme ça? Il est dit que le Saint-Esprit qui m'a rempli m'a conduit pour être tenté par le diable. C'est pourquoi ta vie, les miracles que tu fais là ne peuvent rien faire. C'est pourquoi tu es attaqué, parce que tu n'es pas rempli, conduit par le Saint-Esprit. Tu te bats sur ton onction. Tu te bats sur le revêtement de la puissance. Regarde comment tu es. Frères et sœurs, même ceux que tu as guéri là, ils ne sont pas dans l'église. Ils ont parlé sur la vie éternelle. Réfléchis, mon frère. Regarde ta vie. 30 ans, Jésus était frustré. 30 ans, les filles de Dieu, sans péché, ne pouvaient sauver personne. Tu as pensé à ça? 30 ans. Le ciel était resté fermé. Ça, ça n'a pas comme 30 ans. Le ciel est fermé. Ça, ça n'a pas comme 30 ans. Il n'y a pas de tu entends? Où la main? Il est fils de Dieu. Il y a un nom. Allah le Papa a dit. Baba, y est la main. Tu ne feras rien. Pas la main. Bah fui. Sans le Saint. Si son sang pas ouah. Pourquoi je te dis à toi Pierre? Et il faut y Pierre. Ne t'aventure pas. Là, lié mon couille. Allez faire mon œuvre là. Là, tu vas m'entourner. Sans le même Saint Esprit. Tu si son y pas ouah. Si tu dois attendre 100 ans. Wana guyum kwabra. Tu attends que le Saint Esprit. Guti si son wawa. Qu'il te remplisse. Sam pidfu. Qu'il te contrôle. Tom sauve. Qu'il te guide. Tom taifo. Qu'il te revête. Tom yé l'enfo. Et que et te conduise. La bière en taifo. Vous entendez? Et où la main? Pourquoi on est
beaucoup blessé. Enfin, nous travaillons avec nos propres forces. Pourquoi les maladies ne partent pas? On travaille avec nos propres forces. Tu as vu Pierre être malade avec Jésus. Tu as vu Jacques être malade. À là où Jésus est rentré. La belle-mère de Pierre était malade. À Pierre, il a fait quoi? Il a fait lever la belle-mère. Toi, tu as le Jésus en toi par le Saint-Esprit. Tout ton corps est malade. Il faut y avoir un bébé. Et n'a pas Jésus d'abord en eux. Bam n'a pas tant de Jésus pour rien. La présence de Jésus. Jésus bénit ma balle. Comme il est rempli du Saint-Esprit. Là, ça nettoyait tout le tout. N'aidera beaucoup ma femme. Il y avait aucun démon. Zinba enda kaya. Attaquer Pierre. N'a jamais Pierre. Jean et Jacques. À Jean et Jacques. Parce que Jésus était là. Bah la Jésus la bébé n'est pas. Il dit Pierre. Mais la Pierre. Maintenant. Moi ça va. Tu veux te redéployer? Faudra te libérer à Palem. Attends le Saint-Esprit. Goutissé son wa. Moi-même, je l'ai attendu. Ma même goutissé son wa. Quand il est venu, si son wa, je n'ai plus fait ce que je voulais. Ma palais, ma même d'arrêter. Il m'a rempli. Si son pire, il m'a dit Jésus. Il m'a mis à Jésus. Il, tu m'entends, Pierre, hein? Où m'a Pierre? Le Saint-Esprit m'a dit. Si son il m'a mis à. Mais à partir de maintenant, si il m'a mis à. Tu n'as plus rien à faire. Il n'y a pas l'air de ma fouille. C'est moi qui te dirige. Il y a ma même tatiam. Moi, Jésus, là, maman, Jésus, ouais. Je n'ai plus fait ma volonté. Le Saint-Esprit m'a conduit directement dans le désert. Écoutez, frère, il m'a conduit dans le désert. Personne n'aime le désert. Mais le Saint-Esprit m'a conduit là-bas. Personne n'aime jeûner 40 jours. Le Saint-Esprit m'a fait jeûner 40 jours. Et quand il a fini avec moi, il m'a dit, allons rencontrer le diable. Et ton c'est le Saint-Esprit qui m'a fait rencontrer le diable. Si tu ne me suis pas levé à aller rencontrer le diable comme ça. Oui. Tu ne me suis pas levé à ma force. Quand j'ai rencontré le diable là, le Saint-Esprit a dit, si ne lutte pas contre le diable avec ma force, mais lutte contre le diable avec la parole qui est en toi. La c'est la parole qui est en toi là qui arrive à vaincre Satan. Je n'ai pas vaincu Satan au désert par mon onction. Le Saint-Esprit a dit à Jésus, si soyez à Jésus, ne dis pas par la force. Dis seulement, il est écrit. Dis seulement à Satan. Il est écrit. Dieu a dit, cite seulement la parole. Tu as dit, Jésus n'a pas changé. Pas toi, il n'a pas fait sa volonté. Pas mal, il n'a pas dit Satan. Ah, tu ne le connais pas. Faut que tu vas régler ton problème. Maintenant, tu n'as pas le droit. Yeah. Le Saint-Esprit dit Jésus. Si c'est Jésus. Dis la parole. Tu n'es pas permis de dire autre chose. Y a pas de dis la faire. Parole. Si vous voulez dire des choses que Dieu vous a pas dit. Pas dit. Dis la parole. Tu il a dit une fois. Tu vous dit. Quand Satan change de stratégie. Satan a un thème cinéma. Le Saint-Esprit n'a pas changé de stratégie. Si c'est pas thème quoi. Il a dit maintenant, continue à dire la parole uniquement. Quelle bala, rien que la parole. Gomda la gomda bal tang. L'esprit ne change pas. Si son pas il time n'a pas donné autre chose à Jésus. Pas quand Jésus vous met au. Il ne donnera pas autre chose. Pas là que vous pas autre chose. Pas là que vous ne vous flattez pas. L'esprit ne change pas. Si son pas y est changer comme ça. Tu quand Jésus a vaincu Satan par la parole. Ton Satan a négomda. L'esprit c'est pas fini. Si c'est pas ça y est. Reste ici. Aïka. Il est resté. Je dis pas. Il est venu maintenant ouais, avec sa puissance. Ne panga. Il lui a donné la puissance. Il, a il va à Nazareth. Tiens, Nazareth. Il est parti à Nazareth. Tiens, Nazareth. Il dit prends le rouleau. Rique, il a pris le rouleau. Il dit dis aux gens maintenant. Il pas quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, si voilà ce qu'il va faire. Dis aux gens. Luc 4, rapidement. Laisse ton registre là. Bah, égoïsme. Luc 4:18. Voilà, quand le Saint-Esprit vient, si son sang, Jésus dit, Jésus est quiconque a le Saint-Esprit là, n'importe qui, il dit, voilà ce qu'il y a. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça va si l'Esprit du Seigneur est quoi? Sur moi. Ça va si bien même jour. Parce qu'il regarde maintenant la suite tout. Gébou n'y pour la fin, quelle est ma main? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Premièrement, pipi. Il n'y a pas de ministère. Écoutez, on ne parle pas de ministère ici. On parle comme tout, tout le monde doit faire ce que le Saint-Esprit a dit. Ne va pas faire en Christ, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de hommes. Il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de vieux. Là où il y a l'esprit, si on me dit, tu dois annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Si tu ne fais pas ça, tu es en dehors de la volonté du Saint-Esprit. Faut pas baisser son ratement.
annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ta famille, il y a plein de gens, le cœur brisé dans ta famille, tu n'arrives pas à guérir. Quel est le Saint-Esprit qui est en toi? Si son bon bien, faut pour rien. Tu ne peux pas guérir les gens, le cœur des gens. Faut pas te manier, mais suis-en. Ils ne sont pas chrétiens dans ta famille. Pas chrétien, faut d'accord pour rien. Si le Saint-Esprit est sur toi. Si son bon bien, faut sur vous. Tu vas guérir les cœurs de tes tantes et tout. Faut n'en marre pour rien, enfant suis-en. Tes tantes la sauront. Faut pour d'avoir une bonne fille là, a le Saint-Esprit. Tu faut t'aller si son go. Tu n'annonces pas la bonne nouvelle. Faut pas moindre quoi nous aura. Tu ne guéris pas les cœurs brisés. Faut pas marre de ça, mais. Tout le temps, tu veux qu'on te délivre. Wagal voilà dans ton vieux le faux. Que Dieu ne va pas en toi. Vous me passez faut pour être. Pas les démons, hein. Pas une quoi. C'est toi-même qui ne veux pas. Faut même en parater. Troisième chose. Vous me tapez ça va. Pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. Yo le sera ouais. Est-ce qu'on a dit le ministère de délivrance? Ah bien, tu yo se tourne là, hein. Qui? Kana. N'importe quelle femme ici. Par boule face en béca. Elle a raconté des histoires que tu as le ministère de délivrance. Attends, ce qui va pas faire ta yo le sort tourne. Voilà le ministère que tu as. Arrête tourne une fois en taré. Délivrer les captifs. Ici yem sambas. Ton mari est captif de l'alcool. Faut s'il en a ma yemba. Ta femme est captive de telle chose. Faut pas qu'elle ait la hauteur et soit. Tu as le Saint-Esprit. Si son. Tu n'arrives pas à libérer. Ça matin, je le sais. Tu as quel Saint-Esprit? Faut y'a si son bon là. Tes enfants sont drogués. Faut quoi, Marie, la drogue? Tu n'es pas les délivrer. Faut pas te dire, tu ne parles pas devant le Saint-Esprit. Faut pas qu'on comment faire pour délivrer mes enfants? Moi, là, tu es en train de courir dans toutes les prières. Faut un pour ça, si tu fais. 20 ans, tu cries dans les prières. Et il faut bébé. Là, faut tu ne t'arrêtes pas. Faut pas y aller. Là où est le Saint-Esprit, si son voilà ce qu'il fait. Bah, il faut quatrième, dit, Nase. Proclamez aux aveugles le recouvrement de les la aveugles, vue. Les aveugles, c'est si pour là, ne ne moumé. Ta famille est aveuglée. Faut ça qu'on ne aucun loup de ne veut pas ça. Toi, la foi. Que le Saint-Esprit là. Faut aller si son ça, c'est ton travail. Il faut tourner. Pas un pasteur. Pas pasteur quoi. Pas un évangéliste. Pas quoi monde quoi. Toi, il faut. Continue. Pour renvoyer libre les opprimés. Les gens sont opprimés par le diable. Satan a ouvert un nez pas la liberté. Tu as de courir de réunion de prière à réunion de prière. Pour ça, même Gilgit pousse à ceci. Jésus dit ça qu'il est en train de dire. Il est en train, ça qu'il est en train de dire. Les lâches ici et toi. À Simon. C'est comme ça que moi j'ai commencé. Autant la maman signe. C'est comme ça que j'ai fait. Autant la maman mania. C'est ça. Yare. Tel disciple. Car Bibaye. Tel. Si le maître a fait comme ça, car sa maman auto, ne peut avoir point. Moi, car Bibaye me sert mal auto. Écoute-moi frère. C'est la maman ma biga. Il dit à Simon. Bien la Simon ya. Ce que tu m'as vu faire là. Fonya maman soit le secret là. Bon salon là. C'est le Saint-Esprit. Ya si son. Le secret c'est le Saint-Esprit. Ya si son man et man fonya enfant. J'ai pas d'autre secret. Patar bumba ton sore. Il y a pas un secret. Bon salon le papa est venu. Maman va voir mais il a mis en moi. Nigma pour 30 ans j'ai attendu moi aussi. Yom pita maman zina mengo. 30 ans j'ai attendu. Yom pita maman gumi. Il faut que le ciel s'ouvre. Hati sada pas que le Saint-Esprit descende. Tu sais son sigi. Que j'entende la voix du Père. Tamwumba kwaira. Et que je sois rempli. Lampam piribu. Conduit. Mpam taibo. Et tenté. Lampam kwibro. Devant Satan. Satan la taure. Revêtu de la puissance. Tampam sat. Si son panga yelore. Et que je commande le ministère. Yom sigi tumna. C'est pour chacun d'entre nous. Nous serons tous mes témoins. Voilà le seul ministère de tous les chrétiens. Nous serons mes témoins. Laissez tomber le ministère d'apôtre quoi là. C'est plus tard que Paul a parlé de ça. Quand Jésus disait vous serez mes témoins, Paul n'était pas converti. Paul ne connaissait même pas Jésus. Paul était encore loin. Vous partez prendre les paroles de Paul. Parole de Paul d'abord, vous refusez la parole de Jésus témoin. Le Saint-Esprit fait de toi un témoin. Si son mandat faut que cette soit bas. Tu n'es pas témoin, tu veux être apôtre. Faut pas que là, tu te tournes là. Apôtre intercontinental. Intercontinental. Prophète international. Prophète international. Tu veux être prophète international. Faut être prophète international. Dans ton quartier là, qui te connaît? Faut savoir quand il faut maintenant. Qui te connaît? Quand il faut ça. Qui te connaît dans ton quartier? Faut savoir quand il faut. Chacun doit être témoin. Parce que le Saint-Esprit vient sur nous. Si son mandat attend toujours. C'est ça que Jésus dit à Pierre. René là, je dis à la Pierre. Il dit, si tu n'attends pas le Saint-Esprit, Pierre, si tu t'amuses à sortir, yi, tu verras, le monde va te croquer. Le monde n'a pas peur de ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Le monde n'a pas peur d'eux.
Satan n'a pas peur d'eux. Satan n'a pas peur. Alors Pierre et les autres sont allés s'enfermer. Maman Marie même est partie s'enfermer. Elle-même là, elle est partie s'enfermer. Et ils ont attendu. Chacun croyait à la parole de Jésus. Maman Marie n'a pas dit, le Saint-Esprit est déjà venu sur moi. Non, non, non. Ce que Jésus dit maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que Marie a dit. Il dit, vous serez mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous remplir. Vous serez mes témoins. Maman Marie a couru vite. C'est elle qui a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et elle va obéir à ce qu'elle a dit. Faites ce qu'il vous dira. Donc Jésus a dit, allez attendre. Maman Marie a couru. Allez attendre. Elle croit au message de Jésus. Elle croit à ça. Et ils ont attendu 5 jours, 6 jours. Les gens ont commencé à trembler. Ils ont commencé à dire, ah non, Pierre dit, on n'a pas reçu encore le Saint-Esprit. De la manière qu'on a vu Jésus là, le Saint-Esprit doit venir de la même manière. S'il vient, on saura qu'il est là. Le 10e jour, le Saint-Esprit a fait son entrée. Il a fait son entrée majestueuse. Il a été devancé par ses gardes-corps, le feu. Comme avec autant d'Élie. Quand Élie attendait le Saint-Esprit sur la montagne, le feu est venu. Mais Dieu dit, le feu est bien, mais Dieu n'est pas dans le feu. Le vent est venu. Dieu n'est pas dans le vent. Les tremblements ont commencé. Dieu n'est pas là-bas. Il y a un doux murmure. C'est comme ça qu'il vient. Et quand il est venu, Élie savait maintenant que le Saint-Esprit est venu. Il a marché 40 jours sans manger. Il est parti. Il n'a plus peur. La peur de Jézabel est finie. Toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Il faut les rassurer. Tu as toujours peur des sorciers. Faut tu as toujours peur. Même quand des mouches viennent dans ta chambre. Mais les mouches. Des mouches. Une mouche vient. Pourquoi? Tu as mangé ce soir là. Tu as laissé le fond de nourriture sur ta tête. Faut pas me libérer de ton fond. Tu as tué la mouche. Il y a un tas que je vois quand tu vois. C'est pas un démon. Pas zinoua, je vois pas zinoua. C'est misérable quand même. Il y a nimba na quoi. Une mouche. Zouara. Tu fais combat contre une mouche. Comment d'abord les oies? Au nom de Jésus. La mouche dit qu'est-ce qu'il y a? Comment? Tu n'es pas un démon? Faut pas dire là. La mouche dit. Zouara yé là. Moi je suis mouche. Nia zouara neda. Ah bon? Y'a autre là. Je croyais que c'était un démon. Oh bon. Une fois y'a zine haya. La mouche dit. Zouara yé là. Faut laisser le fou là parce que c'est un fou. Bah gagne, y'a ouais gagne. Elle ne saurait pas dire aux moustiques. Taïn, tu n'allez pas là-bas là. Les types là-bas croient que vous êtes des démons. Là, on entend dire Jindamba. Maintenant, la nuit, tu es couché. Moi, ça y est, il faut qu'on un pauvre chaton qui a faim. Il vient de toi. Il vient de toi. Miaou! Ah! Au nom de Jésus. Démons! Yinga! Le chaton dit miaou! Allez, qu'il me Et surtout si c'était un chat noir en plus. Alors, si le chat noir est sorcier, tu es noir là, tu es sorcier. Toi, tu es quoi? Si tout ce qui est noir est sorcier, tu viens de dire à Satan, et toi-même tu es quoi? Tu donnes raison au blanc qui dit que le noir est sorcier. Pourquoi t'en as ça? Voilà des idées comme ça. Est-ce qu'un homme peut être heureux comme ça? Un homme qui voit partout. Hein? Qui est
Tu vois partout. Une pauvre vieille vient chez toi. Pour rien, elle est ta voisine. Elle n'a pas à manger. Toutes ses dents sont tombées. Elle a mal aux yeux. Elle vient chez toi. Mbiga. Quand tu la vois seulement, elle n'a plus de dents. Elle et les larmes la courent. C'est un sorcier qui est là. Hein. Tu dis à madame. Madame. Attention, hein. La vieille là. Pour rien, ouais. La femme de quelle vieille? Ouais, pour te parler de Proyambro. Maman Tipoko là. Ma Tipoko. Oh yeah. Une sorcière. Y a son poika. Tu n'as pas vu les larmes là? Faut pas n'y a ni demandé là. Achète médicaments, donne-lui et les larmes vont arrêter. Elle a mal aux yeux. La calme quoi, t'as tous ça. T'as ni nana marre, elle a pas soigné. Arrêtez ça. Basignawa. Le Saint-Esprit en vous. Si son vous vous comportez comme des gamins. Si y a mal, ouais, le glorieux Saint-Esprit en si vous. Sont là. Le puissant Saint-Esprit si en sont vous. Pang, le vainqueur Saint-Esprit en tout vous. Y a si le rappel n'importe quel sorcier. Si quand sont vous dormez la nuit. Quand vous dormez la nuit. Quelqu'un vient vous appuyer. Il vient m'appuyer moi aussi. Mais je me roule et je tire ma couverture, je dors. Je ne me lève pas la nuit faire un combat contre. C'est vraiment une oppression. Je vais gâcher mon sommeil avec un petit démon qui est en train de passer. Même Luther, le premier protestant qui connaissait pas le combat spirituel, il était le seul protestant sur la terre. Personne n'était protestant. Il était le seul qui était protestant. Il était protestant. Tout le monde était catholique. Il était catholique. Le seul. Mais Satan est venu l'attaquer la nuit. Satan a ouvert les abonnés. Satan a même catacombé pas il y avait personne autour de lui. Il n'y pas Gubga. Il dormait. Satan est rentré. Satan a qu'un. Parce que Satan sait que ce tombe est dangereux pour lui. Il faut l'effrayer dès le commencement. Dans la biographie de Luther, il est dit quand Satan est rentré, toute l'atmosphère de sa chambre a changé. L'onction négative est rentrée. Il est rentré avec la peur. Luther a senti quelque chose. Luther a ouvert les yeux. Il a vu Satan. Il dit c'est toi non? Il a faux là. Je crois que c'est autre chose. Il a tiré sa couverture. Il dit non. Satan s'est fâché des fois. Tu as sauvé pour ya. T'as naïf de faire de la wurus. C'est ça. Y a rien. C'est ça. Y a rien. C'est la parole que je vais mettre dans vos cœurs là. Écoute-moi. Plusieurs actuellement sont guéris et délivrés. Pas ma mère la yonesse. Vous prenez cet amusement. On ne parle pas du Saint-Esprit quelque part sans qu'il travaille. Il y a des problèmes que vous avez essayé de résoudre là. Cette semaine là. Vous allez voir les résultats au nom de Jésus. Les larmes que vous avez versées pour vos enfants cette année, vous serez cette semaine vous serez consolés. Cette semaine est la semaine de la délivrance. Mon ami, c'est la semaine d'un nouveau redéploiement. Il y a semaine. Tu es en train de préparer un concours. Faut cette concours. Année-là, on a là, ouais. Les concours que tu es en train de passer, les trois là, concours tu seras table. Admis et tu vas choisir le meilleur des concours. Je te dis que tu seras admis à trois concours, tu vas choisir le meilleur. Si tu crois que je ne suis pas besoin de. Je ne suis pas un prophète. Mais je prophétise. Je prophétise la parole de Dieu. Cette année-là, ce séminaire-là, j'ai attendu longtemps. Jésus a attendu 30 années. Mais quand il a commencé, un seul an, tu entends? Pour 30 années, il a fait 3 ans de ministère. Un an pour 10 ans d'attente. Ça fait 30 ans que tu attends. Tu attends quoi? Cet enfant-là. Bikanga. Cet enfant glorieux dans ton sein, cette semaine-là au nom Bikanga de Jésus. Demain, on va voir les autres choses. Comment le Saint-Esprit attaque les lions. Parce qu'il y a deux sortes de lions. Il y a le lion de la tribu de Judas. De ton côté. Il y a les lions sataniques. Et tu vas voir dans la Bible là. Tous ceux qui ont rencontré les lions sataniques. Aucun a perdu. Aucun a eu peur. Demain on va voir ça.
Et après, on va voir comment le Saint-Esprit ouvre les portes de tes prisons. On va voir ça sûrement peut-être vendredi. On va voir après comment le Saint-Esprit maintenant va commencer le surnaturel dans ta vie. Écoute-moi, passe ton temps à prier seulement. Dis au Saint-Esprit, je veux la révélation. Je suis fatigué de voir un toi comme un bébé. Le jour de la Pentecôte, Pierre est rempli. Pierre, il y a plus de 10 000 personnes là. Pierre prêche un message qu'il n'a jamais préparé. À Pierre, mon il a préparé son message. À Sierra, quoi là? Hein? Quand un message est donné par le Saint-Esprit, on n'a pas besoin tout le temps de lire et lire, c'est en vous. Pierre a prêché un message, 3000 personnes ont été sauvées, leur cœur était transpercé par la parole de grâce, la parole d'amour, la parole de puissance, parce que Pierre maintenant était redéployé, il était rempli. Pierre, le peureux Simon, Simon, le traître Simon, Simon, l'inconstant Simon, Simon, il est devenu Pierre maintenant. Pierre, il rencontre le diable. Ancien et le diable. Il n'y a plus rien. Hein. C'est fini pour toi. Pierre, on lui dit, on a amené trop de malades. Il dit, regardez où je vais passer. Les gens ont dit, il ne peut pas prier pour tout le monde. Ce sont les gens qui sont autour de Pierre. Mais nous savons maintenant que cet homme-là transporte le Saint-Esprit. Comme il transporte le Saint-Esprit, partout où il passe là, croyez. Il dit, regardez où se trouve l'ombre. Tu sais, tout l'homme se trouve là. Et on dit, couchez tous vos malades là où l'ombre de Pierre va passer. Ils ont aligné leurs malades le long de la route. Et on a dit à Pierre, il faut prendre cette route là. Pierre a commencé à passer. Au moment où il passait, quand son homme arrive sur un malade, il est guéri. Qui? Le même Simon là. Le traître Simon là. Simon tout le mauvais Simon, Simon là. L'homme qui a échoué. L'homme qui ne valait rien. L'homme qui est le même maintenant. Il y a Simon quel est devenu Pierre maintenant. Enlèvera Pierre. C'est ça que Dieu fait pour toi. Cette année, ta destinée est changée. Le redéploiement est pour toi. La victoire est pour toi. La libération est pour toi. Le changement est pour toi. La prospérité est pour toi. Parce que tu crois au Saint-Esprit. Baissons la tête. Mais mon ami, toi tu es venu au milieu de nous. Tu ne connais pas ce Jésus-là. Il a fallu que Pierre rencontre d'abord Jésus avant qu'il rencontre le Saint-Esprit. Si tu veux rencontrer le Saint-Esprit cette semaine-là, mon ami, il faut d'abord que tu rencontres Jésus. Si tu ne rencontres pas Jésus, le Saint-Esprit ne viendra pas vers toi. Car ce sont ceux qui croient en Jésus que le Saint-Esprit va venir. Alors si tu es venu parmi nous depuis hier soir et ce soir, tu ne connais pas encore ce Jésus-là, tu veux recevoir ce Jésus-là comme Pierre l'a reçu dans sa barque, tu veux recevoir ce Jésus dans ton cœur, l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés, celui qui est venu donner la vie éternelle. Si tu rencontres ce Jésus-là, si tu l'accueilles dans ton temple, dans ta barque, alors il va commencer à changer ta vie et le ciel va s'ouvrir et le Saint-Esprit va venir installer en toi le Jésus glorifié. Alors tu es parmi nous ce soir et tu veux recevoir Jésus, tiens-toi debout là où tu es. C'est ça qui est important. C'est Jésus qui ouvre la porte. Il ouvre la porte au Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas reçu Jésus, ce que je te dis là ne sera pas pour toi. Vous êtes au dehors, vous êtes à l'intérieur. Vous n'avez pas encore reçu Jésus, tenez-vous debout. Pour dire, et le courage de dire, je veux ce Jésus-là. C'est Jésus qui a changé Simon là. C'est Jésus qui l'a rencontré là. Moi aussi je veux ce Jésus-là. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont à l'intérieur. Tiens-toi debout encore, mes frères et sœurs. Alors, Otto, j'ai voulu m'arrêter un peu longuement ce soir. Si tu ne comprends pas le redéploiement de Simon,
Pierre, qui a été avec Jésus. Malgré qu'il était avec Jésus, tu as vu, il a fallu qu'il rencontre le Saint-Esprit. Quand il a rencontré le Saint-Esprit, les choses ont commencé à changer. Alors, jeune Jean, ça c'est un message important. Si je me suis tenu debout 2 heures, ce n'est pas que j'ai envie de prêcher. Je n'ai pas envie de prêcher parce que j'ai mal aux pieds. Tout ça me fait mal. Non, enfin, mais ce qui m'intéresse, l'impact, c'est que toi là, ya, faut, tu commences à comprendre faut que tu es important pour faut Dieu, que tu as de la valeur. Faut moi, je suis prêt à payer le prix. Même et toi, tu reçois quelque chose. Tu faut pas tu comprends? Je n'ai pas ton âge. Toi, tu as un long avenir. Faut la moi, je suis dans la troisième partie de ma vie. Moïse a eu trois parties. De 40 ans. Pinasse. Mais c'est à 80 ans que Moïse a impacté la génération qui le suivait. Là, Moïse, il n'est pas la porte de mon vie. Je te dis la même chose. Je n'ai pas dit que c'est 40 ans. Mes frères, j'ai mes 30. Tu m'entends? C'est pourquoi je te parle aujourd'hui. Moïse avait échoué. Il n'était pas un succès. Quand Moïse est revenu vers son peuple, personne ne croyait en lui. Tu nous as trahis à 40 ans. Comme ça là, toi tu peux nous aider. Les gens l'ont méprisé. Mais ils ne savaient pas qu'un nouveau Moïse arrivait. Ils ont vu tout le vieux Moïse. Mais quand ils ont vu Moïse rentrer chez Pharaon, ils ont su que l'homme là a eu une rencontre avec le Saint-Esprit. C'est ça que je te dis là. Et, mais ceux qui n'ont pas cru à Moïse là, sont morts au désert. Mais ceux qui ont cru là, Josué et Caleb là, ceux qui ont mangé Canaan, ton temps, tu dis que tu travailles. Quand tu as des problèmes, tu sors, tu vas au travail. Alors, ici là, quand tu travailles là, quand tu veux sortir, tu sors, non? Faut pas y aller. Faut qu'on ait sur la île. On a beau prêcher, c'est la catégorie des Judas là. Il y a Judas Rambouda. Voilà. Ils sont là. Plus tu laisses ton cellulaire, sans battre colère, ils vont prendre. Ne donne pas ton cellulaire. Femme, ne mettez pas vos sacs comme ça. Mettez vos sacs devant vous. Là. Ne mets pas comme ça. Là, ils mettent la main là-dedans. Mets comme ça. N'ingoto. Si tu vois un homme qui te touche, là, tu, quoi? Tu es pressé, il faut aller. Faut y aller l'autre, mais il y a non, ma sœur, pardon. Là, il faut qu'il y ait faut attendre, mais. Tu 30, mais il veut. Si tu veux applaudir pour Jésus, tu applaudis clairement. Voilà. Si c'est pour moi, n'applaudis pas.